Tango bato balali Koyoto yungi Ona ebiso yu Unyoza kuna Aingu ya Bakisa maloba Tango Ngabe na yu Delia tango nyoso Fidèle na maloba papa Fidèle na bolonga papa Kaka ndengolobi Denge kosale mamu Moi Fidèle na vile si papa Kaka po etongo Zongingam. Malamu. Yenga, welinde bolingo. Nga malamu. Fidèle na maloba papa, fidèle na ba principe na yo, kaka ndengolobi, denge kosale mam. Tupe moi, fidèle yandarabo shaka baba koriana manashike, shalom, 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 tongo ndenge zongengam. Shalom, shalom. Shalom, 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 shalom. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 shalom. Shalom les papas de foi, les mamans de foi. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis. Shalom, 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 shalom. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Que l'Éternel mon Dieu vous bénisse. Que l'Éternel mon Dieu vous fasse énormément du bien. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Oh my God. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de l'Éternel mon Dieu soit sur vous. Je vous déclare bénis au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Shalom, 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 shalom. Shalom à tout le monde. Angela Tano. Shalom à Justine Agnès, à Pauline, Pierre. Alléluia. Dani Mayama. Shalom, shalom, shalom. Nyongo. Shalom. Mongongo. Yes, bima, bima. Miko pola e, ye kisinga ye, ase kisinga ye, kielikia, iko tika ngai, lati nzoto, yeso bo iko tika ngai, ye kipe nzela,
Boy koti kangae, moninga malamu, moninga malamu. Shalom, shalom, shalom. C'est Lita Lendoye, shalom, shalom. Alléluia, kete shalom. Zenabedora, shalom. Shalom à Maritza, shalom à Lourdana Richard. Annick Adjé, shalom. El Adi Ouattara, shalom, shalom. E paya moto pamba yolandinga tiawa e yakunda. Mirtu Joseph Massi soit béni, shalom. Ariel Yapoga, shalom. Afi Mary, shalom, shalom. A Sarah Opea, ma fille, shalom, soit béni. Soit béni, soit béni, shalom. Juliana Gayen Getmena, shalom. Ada Asumu, shalom, shalom, prudence. Ada Asumu, soit béni, ma fille. Shalom, 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 shalom. Soyez béni au nom de Jésus. On a mixé beaucoup de streams en même temps. Il y a d'autres personnes qui vont remarquer, je ne vais pas les voir, mais ne vous inquiétez pas. Olga Angesomo, shalom, shalom à Céline Bonnet, shalom à Juliana, shalom, 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 Marelle Amointo, shalom Lorania, shalom Geneviève Waladi, shalom Innocent, shalom Mireille Dibé, shalom Patricia, Gisèle Patricia, shalom, shalom, shalom. Shalom à tout le monde, je vous salue au nom de Jésus. Je bénis votre présence. Pendant que je cite ton nom, tu es en train de faire l'évangélisation. Shalom, shalom à Immaculée. Shalom, 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 shalom. Shalom, 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 Élisée. Shalom à Cristal Miracle. Sois bénie ma fille. Shalom, shalom, shalom. Nicole Couvoy, shalom, shalom, shalom. Émérance Couvoy, shalom à toi, sois béni. Hélène Bilogo, shalom, Sergina, shalom, shalom à toi, ma fille. Ruth Kwasi, sois béni. Ruth, sois béni. Odile, sois béni. Lydie Ami, shalom à toi, sois béni. Élisée Florence, pendant que je cite ton nom, tu es en train de faire l'évangélisation, tu es en train de partager, tu es en train de réagir, tu es en train de faire alors ton travail, maman. Deviens l'évangéliste, deviens une personne qui va toucher des gens. Les gens doivent être bénis. Lorsque toi, tu te mets en direct, la vie des gens doit changer, l'éternel doit se manifester, les miracles doivent s'opérer, tu dois partager. Ton partage alors doit déclarer, doit réclamer ta bénédiction. Ton partage doit crier alléluia. Ton partage doit crier présente. Ton partage doit crier pour dire à l'éternel, je suis là. Va faire l'évangélisation. Va partager. Comme alors, maman Nipsia est en train de partager. Sois bénie, ma fille, à moi. Je te salue au nom de Jésus. Sois puissamment béni. Sois grandement béni. Sois miraculeusement béni. Au nom de Jésus. Sois fécondement béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va partager là où tu es. Je t'en prie, va partager. Va faire ton travail. Moi, je fais mon travail. Aide-moi à partager. Aide-moi à évangéliser. Aide-moi à localiser certaines personnes. Tu sais quoi? Regarde un peu, on a fini notre programme de prière. On avait déjà fini. Mais regarde à quel moment l'Éternel vient de permettre la prière, que la prière puisse se faire. Au moment où on était sûr que tout le monde a déjà ce qu'on nous a demandé. En tout cas, si d'autres n'ont pas, maintenant qu'on va faire le direct, dans ce cas-là, on va le faire que sur WhatsApp. On avait demandé, nous allons prier. Tout le monde, il y a des choses qu'on a demandé qu'on doit avoir. Vous pouvez l'écrire pour que les autres puissent l'entendre. L'Éternel, la main de Dieu n'est pas courte. Dans Léon, Yahweh, sois béni mon fils, que mon Dieu te bénisse. Les miracles doivent s'opérer dans ta vie. Le changement doit rentrer dans ta famille. Tu dois sortir de la maison de ton père entièrement, complètement, comme âme et esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les murailles qui t'interdisaient d'affranchir alors ta destinée, Yandarabo Shakababa, Yenderebere Shikemene, doivent être brisées, les limitations doivent libérer ta vie, va partager. Tu sors de la maison de ton père, la tête élevée, et cette semaine, toi tu dois vaincre, toi tu dois gagner, toi tu dois aller de l'avant, Yandarabo Shakababa, Koryanamana Shikemene, Rabababa, Korishkanamana Shikemene. Yandarabo Shakababa, Koriana Mana Shikemene. Oza Yesu. Merci à Maman Nupsia. Tu m'as beaucoup aidé avec ce remède-là. La gorge, ça va mieux. Mais j'ai pas envie de beaucoup crier.
Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, il mérite la gloire, il mérite ton partage, il mérite l'adoration, il mérite l'élévation, il le mérite, bien-aimé, il mérite ton partage. Va partager, va partager, va partager, s'il te plaît. Fais l'évangélisation, je t'en prie. Va partager, s'il te plaît. L'alarme sonne. Va partager, Alléluia. Les données de ta vie doivent changer. Pendant que tu es en train de partager, Yandarabo Shakababa, que mon Dieu se lève pour ta famille. Alléluia. J'ai partagé au moins sur 3 pages, je pense, à moins que je ne me trompe, ainsi que sur mon profil de prophétesse Clozel. Vous allez voir alors Clozel Faith, mon profil. J'ai aussi partagé. Nous sommes sur la page enceinte par la foi. La main de Dieu n'est pas courte. Les données de ta vie doivent changer. L'Éternel doit te faire rentrer dans la gloire. Yandarabo Shakababa. Tu dois témoigner. La guérison doit rentrer. Le changement doit rentrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les miracles doivent s'opérer dans ta vie. Hey, Yandarabo Shakababa. L'impossible doit devenir possible pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Va partager, maman. Va partager, va partager. Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. La pierre qui était rejetée est devenue la principale de l'angle. Alléluia. Va partager, maman. Annick, va partager. La main de Dieu n'est pas courte pour te faire rire. Alléluia. Les données de ta vie doivent changer. Les miracles doivent s'opérer. Ta délivrance doit se faire voir. My God. Alléluia. Alléluia. Yandarabo Shakababa. Je crois au miracle. Je crois, Blondine Mboma, moi, Sinzambé. Sois béni au nom de Jésus, va partager, fais l'évangélisation, Jackie Chibangu, sois béni, fais l'évangélisation, Cynthia Seri, fais l'évangélisation, Célita Lendoye, fais l'évangélisation, alléluia, Jésus-Christ est Seigneur, Yandarabo Shakababa, alléluia, alléluia, oh my God, alléluia, Yandarabo Shakababa, Yenderebere shikemene kaya kababa. Koriana mana shikemene. Hey! Rabababa. Alléluia! Il est digne de ton partage. Il est digne de ton partage. Pendant que tu es en train de partager, Yandarabo Shakababa, je prophétise que les chaînes tombent. Pendant que tu es en train de partager, les limitations sont brisées. Pendant que tu es en train de partager, laisse que le nom de ta famille change par toi. Pendant que tu es en train de partager, je déclare et décrète à quiconque te cherchera le jour comme la nuit, tombera sous ton pouvoir. Je déclare et décrète, Yandarabo Shakababa. Hey! Alléluia! Gloire! 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 Les données de ta vie doivent changer. L'histoire de ta vie doit changer. L'Éternel va passer par toi pour changer l'histoire de ta famille, pour te faire rire, pour te faire rentrer dans la gloire, dans les miracles, dans la délivrance. Oh my God, toi qu'on a insulté, toi qu'on a dit tu peux pas avoir d'enfant, tu ne peux pas travailler, tu ne peux d'ailleurs même pas te marier, tu ne peux même pas aller de l'avant, rien de bon ne peut sortir chez toi. Yandarabo Shakababa, le Dieu d'Israël, va les laisser dans la confusion, parce que pendant que tu es en train de sortir, tu sors avec tout ce qui est à toi. Tu sors avec ta délivrance. Tu sors avec ta vie de prière. Tu sors avec ton mariage. Tu sors avec ta santé. Tu sors, Yandarabo Shakababa. Koriana mana shindereke. Hey, alléluia. Alléluia. La main de Dieu n'est pas courte, ni son oreille trop dure pour entendre ton problème, pour entendre la situation qui est en train de te déranger. Il est Dieu, il reste Dieu bien-aimé. Va faire l'évangélisation. Va faire l'évangélisation, je t'en prie.
Deviens un évangéliste. Deviens un évangéliste. Va faire l'évangélisation. J'ai au moins 5 groupes. Je ne suis pas obligé de le parler, de le crier tout le temps. Recevez vos bébés. Quand la femme crie les miracles, s'opère. Prière pour la fécondité. Enceinte par la foi. Délivrance des couples fruits des entrailles. Alléluia. Va partager. Va partager, je t'en prie. Va partager, fais l'évangélisation. Je crois au miracle. Je crois au miracle. Je crois à ta délivrance. Je crois à l'homme maintenant, Yandarabo Shakababa, que toi aussi ta tête va se relever. Je crois. Je crois. Pendant que tu es en train de partager, Yandarabo Shakababa, que les anges de l'Éternel soient avec toi. Pendant que tu es en train de partager, que l'Éternel relève ta tête. Alinazita Ada. Alléluia. Je prophétise dans ta vie que la délivrance s'opère, que la délivrance se fasse voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu Yandarabo Shakababa, dont je suis servante, change les données de ta vie, change l'histoire de ta vie, essuie les larmes de ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, my God. Alléluia. Alléluia, vous entendez ma voix, comment ma voix est partie. Toutes les personnes qui sont en train de bâtir leurs hôtels, je n'arrête pas de prier personnellement, d'envoyer les messages de 5 minutes, d'envoyer les voix de 5 minutes. Mais j'ai dit, Seigneur, je ne m'éteindrai pas, je veux faire ce live éternel. Nous devons prier, nous avons un service à faire éternel. Et ce service, Yandarabo Shakababa, doit voir le jour. Aujourd'hui, nous avons besoin alors d'utiliser, Yandarabo Shakababa, notre héritage, on va l'utiliser aujourd'hui. Ton foyer, Yandarabo Shakababa, doit changer. Les miracles doivent s'opérer. Les larmes de tristesse doivent être remplacées par les larmes de joie. L'esprit de rejet doit libérer ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les condamnations, là on a préparé toute la famille. La marmite, on vous enferme. La marmite, on a mis tout le monde. Les calebasques, donc on est allé invoquer pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant. My God, vont être brisés aujourd'hui. Vont prendre feu aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la mort ne rentrera pas chez vous. La mort n'entrera pas dans ta maison. Non, la mort n'entrera pas dans ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, le temps est arrivé où toi, tu dois témoigner. Vous êtes en train de voir, il y a une femme qui est là sur mon profil. Cette femme-là, on l'a condamnée. Cette femme-là, on a dit qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. Cette femme-là, on l'a rabaissée. Cette femme-là, on a dit qu'elle, voilà, elle est finie. Elle est ménopausée. Elle ne peut pas avoir d'enfant. Bien-aimée, après tant d'années, Dieu l'a répondu. Elle a dit, maman, mets ma photo. Maman, please, mets ma photo. Maman, je veux que le monde sache que ton Dieu a répondu. Maman, je veux que tu mettes ma photo. Maman, Dieu agit. Bien-aimée, la main de Dieu n'est pas courte. Tu vis une vie de rejet. Rejet sur rejet. Tu t'engages avec un homme rejet. Dans ta famille, rejet. À ton église, rejet. Même ton pasteur, rejet. Autour de toi, rien. Tu vas à ton lieu de travail, rejet. Blocage sur blocage. Freinage sur freinage. Humiliation sur humiliation. Aujourd'hui, je déclare et décrète ta sortie. By fire, by force, in the name of Jesus. By fire, by force, in the name of Jesus. Thank you, my Lord. Thank you for your presence. I love you, Jesus. Thank you for everything, my Lord. Yandarabo Shakababa. Koriana mana shikemene. Là où ton père, ta mère ne peut pas agir, Dieu, il est capable d'agir. Là où alors ton pasteur même n'a même pas pu te délivrer, Dieu, il est capable de te délivrer. Dieu, il est capable de changer les données de ta vie. Dieu, il est capable de te faire rire. Dieu est capable de te faire monter. Là où même les gens n'ont pas espéré que toi, tu pouvais arriver. Il est le Dieu capable, bien-aimé. On l'appelle le réparateur des brèches. Lorsqu'il se lève dans ta vie, inondation des miracles. Lorsqu'il se lève dans ta vie, my God, le changement s'installe. Lorsqu'il se lève dans ta vie, le rejet, la mort tombe. Lorsqu'il se lève dans ta vie, Yandarabo
shakababa. Yandarabo shendereke yakababa. Koriana mana shikemene. Je déclare et décrète que ta délivrance prenne place. Je déclare et décrète que le changement se lève sous ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Que Docteur Jésus fasse son entrée dans ta vie. Que Docteur Jésus s'asseye dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Là, on t'a donné la malédiction. Tu es là, tu m'entends. Tu es allé toucher les fétiches. Le temps est arrivé parce que c'est un pacte que tu as signé où on t'a dit alors que tu vas mourir. Où on t'a dit alors que tu vas tomber. Laisse-moi te dire une chose. Donne ta vie, Yandarabo Shakababa. Donne ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Il va te réparer. YouTube, partagez, s'il vous plaît. YouTube, je vous en prie, partagez. Yandarabo Shakababa. Je crois au miracle. Je crois à la délivrance. Alléluia. Alléluia. Yandarabo Shakababa. Pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir Mbadima Olive. Yandarabo Shakababa. Yandarabo Shendereke Yakababa. Alléluia. Ce tissu, être déchiré maintenant. Ce tissu, être déchiré maintenant. Ce qui t'interdit d'être heureuse depuis longtemps. Ce qui a bloqué ta joie depuis longtemps. Aujourd'hui, l'Éternel est en train de le déchirer. Au nom de Jésus. Ce qu'on t'a fait porter sur ta taille depuis ton enfance. Maintenant, Yandarabo Shakababa. Je le vois maintenant prendre feu. Le temps des miracles pour toi est arrivé. Tu dois être disposé. Arrête de parler de tes histoires aux gens. Arrête de te confier aux gens. You are the living God. Yes, no one like you. Yandarabo Shakababa. Koriana mana shikemene keyakababa. Mon Dieu est en train de te visiter maintenant. Mbadima Olive, mon Dieu te localise maintenant. Living God. Yes, no one like you. Yandarabo Shakababa. Koriana mana shikemene. Rabababababa. Yenderebere shikemene keyakababa. Aimez la vidéo, s'il vous plaît. Nous voulons commencer. Aime la vidéo simplement. Je prophétise dans ta vie maintenant. Tu dois rentrer dans ta gloire. Alléluia. My love giver, you are the living God. Yes, no one like you. Do me like you do. No man can touch me like you do. Ha. You are the living God. Oh. Yes, no one like you. Yandarabo shakababa baba 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 baba. Yendere bere shindere keyakaba baba 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 baba. You are the living God. Oh. Yes, no one like you. Alléluia! Alléluia! Tu es là! Il y a un homme qui est là pendant que je suis en train de parler. Yandarabo Shakababa. Tu es sorti de l'hôpital. Ça fait à peine 3 jours. Tu es sorti de l'hôpital. Après une souffrance inexpliquée au niveau des poumons. Yandarabo Shakababa. Tu avais fait un rêve. Quand tu avais tiré dessus. Tu avais fait un rêve, Yandarabo Shakababa, Yandarabo Shendereke Yakababa, quand t'avais tiré au niveau du dos. L'Éternel est en train de te toucher maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel est en train de te toucher maintenant. Tu as raté l'AVC 3 fois. Tu as raté l'AVC 3 fois. L'ennemi est en train de te réclamer. L'ennemi est en train de te chercher. Je déclare et décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es allé, on a prié pour toi. Et on a dit alors que tu vas mourir parce qu'on est en train de voir les cercueils. Pour que tu saches que c'est de toi que je parle. Mais laisse-moi te dire une chose. Je déclare et décrète que tu ne mourras pas. Au nom de Jésus, alors que tu es en train d'entendre ma voix maintenant. Que le changement rentre dans ta vie. Que la délivrance rentre dans ta vie. Au nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, il y a une maman qui est là. Tu as une douleur au niveau du ventre. Tu es en train de sentir ton ventre est en train de tourner. Ton ventre comme s'il y a quelque chose qui est en train de bouger dessus. My God. Cet esprit qu'on a fait asseoir dans ton ventre aujourd'hui, Yandarabo Shakababa, Koriana Manashindereke, tu es là, tu m'entends. Tu es là, tu m'entends. Et pendant que tu entends ma voix, tu dis c'est moi. C'est de moi que Maman Closet est en train de parler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette chose qu'on a mis dans ton ventre, cette chose qui est en train de bouger dans ton ventre, qui t'a causé beaucoup de tort, qui t'a fait rétrograder, qui t'a fait beaucoup reculer, doit libérer maintenant, by fire, by force, je prophétise maintenant que le changement rentre dans ta vie. Il y a une personne qui est en train de me suivre. Je vois devant moi Michel. Yandarabo Shakababa. Koriana Manashindere Keyakababa. Yenderebere Shikemene Keyakababa. Michel. Alléluia. 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 On a gaspillé les enfants. On a gaspillé les enfants dans la maison. Mais l'Éternel me demande de te dire, n'aie pas peur, parce que la délivrance de ta maison arrive. Lorsque nous allons faire ce service avec les hysope, ainsi que l'aloès, l'Éternel va relever ta tête. Le changement va rentrer au nom de Jésus-Christ. Ton mari s'apprête à aller épouser une autre femme. Oh my God. Yandarabo Shakababa. Koriana manashindereke rababa yandarabo shakababa. Je prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie de chaque personne qui est en train de partager, là où il y a eu la souffrance dans la famille, que la délivrance se fasse voir par toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu se lève dans ta vie, yandarabo shakababa yondoroboro shikemene rababa. Hey. Yandarabo Shakababa. Yenderebere Shikemene. Il y a un papa qui est là pendant que je suis en train de parler. Il y a des jambes qui s'enflent chez toi pour une raison que tu ignores. Tu n'es plus avec la maman de tes enfants. Tu es avec une autre femme. Tu sens tes jambes à toi qui s'enflent. Les pieds s'enflent. Tu ne peux même plus porter le soulier. Oh my God. Yandarabo Shakababa. Les pieds s'enflent. Alléluia, on t'a fait manger une chair humaine. On t'a fait manger une chair humaine. Au nom de Jésus, Yandarabo Shakababa. Hey, alléluia, 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 alléluia. Tu vas me biper sur mon WhatsApp. Je veux prier pour toi. Et je vais te dire qu'est-ce que tu vas faire avec alors ces hysopes. Les miracles doivent s'opérer. Ta délivrance doit s'élever au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu verras ce qui va se passer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Il y a une personne qui est là pendant que je parle. Tu sens les démangeaisons dans ton corps. Tu es en train de sentir les démangeaisons atroces. Tu es en train de sentir les démangeaisons. Tu sens les démangeaisons inexpliquées. Naléli. Mamoninga nanga tamiso lezo monana teo na tongo na zelaki na assisté na lapidation zoka akite mon. Oh, surprise, Jésus, ma surprise, agréablement surprise, Jésus, ma surprise, azabolingwa motema. Non. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu es en train d'écouter ma voix maintenant, Yandarabo Shakababa, Yandarabo Shendereke, tu es prêt à être expulsé, tu es prêt à être expulsé, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, alors que tu te connectes alors à cette atmosphère, je parle pas de ce direct, je parle de l'atmosphère prophétique, alors que tu te connectes, Yandarabo Shakababa, tout ce qu'on a cherché à valer de ta vie, tout ce qu'on a voulu voler de ta vie, toute larme Yandarabo Shakababa. Hey! Ah, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Yanda rabo shaka baba. Yanda rabo shendereke. Rababa. Alléluia. Alléluia, my God. Alléluia, alléluia. La délivrance doit rentrer dans ta vie. Commence simplement à partager. Partage seulement. Le Dieu qui est capable de bouleverser les données va changer l'histoire de ta vie au nom de Jésus. La distance n'est pas une barrière pour que Dieu te fasse un rire, pour que tu rentres dans ton témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. My God, là où la mort s'est levée, l'Éternel relève la délivrance. Là où l'échec s'est levé, l'Éternel, my God, yanda rabo shaka baba, koriana mana shike. Il y a une femme qui est là depuis un certain moment. Tout ce que tu fais, que tu rêves, tu es en train de voir les comment on appelle ça, ce qui a des coquillages, les escargots sortir dans ton corps de femme. Et lorsque tu te réveilles le matin, il y a comme un liquide qui est en train de sortir. Tu es allé à l'hôpital, on te dit que c'est rien, mais on veut mettre alors le cancer de l'utérus dans ta vie. Je viens déclarer, décréter au nom de Jésus, alors que tu es en train d'entendre ma voix, que la délivrance se lève, que les miracles s'opèrent, que ton histoire change au nom de Jésus Christ de Nazareth. Je pars dans la vie d'une femme, je pars dans la vie un homme qui est en train d'écouter ma voix. My God, tout ce qu'on a avalé de ta vie, oh Yesu, tout ce qu'on a avalé de toi, tout ce qu'on a avalé, tout ce qu'on a bu, tout ce qu'on a cherché à faire disparaître, maintenant au nom de Jésus Christ de Nazareth, l'Éternel le fait apparaître au nom de Jésus. Yandarabo Shakababa. Hey. Ha, alléluia, alléluia. Que l'Éternel, les ténèbres qui cherchent à avaler tes miracles, ta joie, ton travail, ton mariage, yandarabo shakababa, ta stabilité, tout ce qui cherche à avaler ta joie, à avaler ta stabilité, pendant que je suis en train de parler, ils doivent le libérer, ils doivent disparaître, ils doivent se dissiper. By fire, by force, my God, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à ta vie. Au nom de Jésus, chaque attaque dans le monde des ténèbres, cherchant à te briser, cherchant à te détruire, reçois le feu maintenant. Catch fire, catch fire, catch fire in the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ, tu es là en train de m'entendre. Tu ne sais plus comment faire. Tu es en relation avec une femme que les gens n'aiment pas. Tu es en relation avec une personne que les gens n'aiment pas. Mais pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est en train de me montrer dans le cœur de cette dernière un amour sincère, un amour vrai. Laisse que l'Éternel yandarabo shakababa se lève pour combattre toutes les personnes yandarabo shendereke. Alléluia. Que les miracles s'opèrent dans ta vie, que la délivrance rentre dans ta vie. Aujourd'hui, je parle au nom de Jésus, toute forme de limitation qu'on a placée devant toi sur ton travail, sur tes finances, sur ta santé, yandarabo shakababa, sur ta fécondité, sur ta vie de prière. Catch fire, catch fire, catch fire in the name of Jesus. Catch fire. J'ai dit fire, 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 fire in the name of Jesus. La délivrance de ta vie doit s'opérer. Tout le monde doit voir comment l'Éternel a changé ton histoire, comment Dieu a changé ta vie au nom de Jésus. Les gens vont te dire le temps perdu ne se rattrape pas. Notre Dieu, il est celui qui fait rattraper le temps perdu parce qu'il est le maître de temps et de circonstances. Au nom de Jésus Christ de Nazareth, alors que tu es en train d'entendre ma voix, qu'une nouvelle histoire se lève pour toi. Un nouveau départ se lève pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom se change en vin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise, yandarabo shakababa, toute forme de limitation que l'ennemi a placée dans ta vie en 2020, toute forme de mort que l'ennemi a menée dans ta vie en 2020, maintenant que tu es en train d'entendre ma voix, je le brise et je le taille en pièces, by fire, by force, alors que tu es en train de partager, partage ce live s'il te plaît.
Partage-le, Yandarabo Shakababa. La délivrance passe toujours par une personne. Dans une famille, l'Éternel utilise toujours une personne. Je déclare et décrète que la délivrance de ta famille passera par toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prophétise que l'Éternel t'emmène au large. L'Éternel t'emmène au repos. L'Éternel te fait rentrer dans tes miracles. Ah, est-ce que c'est à toi que je parle? Je pensais que c'est à toi que je parlais. Yandarabo Shakababa. La distance n'est pas une barrière. Maintenant, que le ciel s'ouvre pour toi. Le Dieu qui a béni les enfants d'Israël dans le désert. Maintenant, merci Saint-Esprit. Je vois une pluie. Je vois une pluie de miracles. Localiser plusieurs personnes. Localiser plusieurs vies. Localiser Yandarabo Shakababa. Yandarabo Shendereke Yakababa. Koryanamana Shikemene. Korishkanamana Shike. Yenderebere Shike Rababa. Yandarabo Shendereke. Hey! Ah! Alléluia! 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 Là, on a programmé la mort sur toi. Là, on attend ta mort. Là, on attend ta disparition. Je déclare et décrète. Ils te verront croître. Ils te verront germer. Ils te verront grandir. By fire, by force! Va partager. Va partager. Partage. Ton ventre qu'on a condamné, les supermatozoïdes de ton chéri qu'on a bloqué, où on a dit alors, lui ne peut pas avoir d'enfant. Non seulement toi-même tu as des problèmes, mais ton chéri lui aussi, on a donné des problèmes. Il n'arrive pas à te permettre de tomber enceinte. Oh my God! Yandarabo Shakababa. Je fais intervenir le réparateur de brèches. Je fais intervenir le réparateur de brèches. Je fais intervenir le Dieu Tout-Puissant maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu relève le dos de ton mari. Christ en vous là. Je prophétise sur ta vie. Tu dois rentrer dans l'excellence. Jacques, rentre dans l'excellence. Rentre dans l'excellence. Là où l'Éternel t'attend. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de voir une reconstruction. Pendant que je suis en train de parler sur ta vie, Christ en vous là. Je suis en train de voir une reconstruction. Une reconstruction. Yandarabo Shakababa. L'Éternel est en train de rebâtir. Yandarabo Shakababa. Hey! Rabababababa. Rentre dans les miracles. Rentre dans les miracles. Au nom de Jésus. Blonde, blonde. Pendant que je suis en train de voir. Blonde, blonde. Je suis en train de voir ce mari de nuit qui t'a longtemps dérangé. Qui t'a longtemps fait pleurer. Libérer ton chemin. Au nom de Jésus. Je déclare et décrète que l'Éternel, mon Dieu, utilise ton corps comme une flamme de feu. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Que ce mari de nuit, Yandarabo Shakababa, aille définitivement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, my God. My God. Hey, Yandarabo Shakababa. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là. Merci omniprésent. Merci omniscient. Commence à adorer ce grand Dieu. Commence à adorer le redoutable. Commence à adorer le réparateur des brèches. C'est pas un slogan. Il est le réparateur des brèches. Il est le réparateur des brèches. Ce que ta famille n'est pas capable de faire, le Dieu de l'Éternel des armées, le Dieu qui n'a pas de limites, il est capable de te réparer. Maintenant, blonde, blonde, rentre dans ton mariage. Rentre dans ta saison, ta stabilité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te stabilise. Que mon Dieu te stabilise. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je suis en train de prier, Nicole Couvoir, j'entends et ça est là, entre les mains. Pendant que je suis en train de voir, on me dit alors Nicole Couvoir. Nicole Couvoir, Yandarabo Shakababa. Et on te remet, on te remet, on te remet ce qui est à toi. On te les remet, ça y est là, on te remet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que l'Éternel se lève dans ta vie, te fasse rire. Tu dois rentrer dans ta saison. My God! Yandarabo Shendereke Rabababa. Korishkanamana Shike Rebebebebebebe. Alléluia! Hey!
Alléluia. Randarabo shenereke. Yakabo shaka baba. Au nom de Jésus-Christ. Korish kanamana shike meneke. Yandarabo shaka baba. Yenderebere shike nikol kouvoi. Yandarabo shaka baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens prophétiser dans la vie d'une personne qui traîne la maladie. Yandarabo shaka baba. Héréditaire. Depuis des années. My God. My God. My God. Yanda rabo shaka baba. Je vois les venins de maladie quitter le corps de plusieurs. Je vois les venins de maladie libérer la vie de plusieurs. Je vois les venins de maladie être yanda rabo shaka baba, être retiré comme les chics dans le corps de plusieurs personnes. Aujourd'hui, my God. Yanda rabo shaka baba. Je ne sais pas quelle est la maladie que tu as héritée, de qui tu l'as héritée. Randa rabo shaka baba. Koriana mana shike mene. Yanda rabo shaka baba. Hey! Alléluia. Tu as beaucoup pleuré. Tu dis, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu m'as rejeté. Seigneur, tu m'as oublié. Seigneur, souviens-toi de moi. Ainsi dit l'Éternel. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ne t'ai-je pas dit, je ne t'abandonnerai point. My God, je ne te délaisserai point. Il est le Dieu vivant. Il est avec toi. Il dit, augmente ta foi. Yandarabo shakababa. Alléluia, alléluia. Je parle à une femme qui a eu des les diagnostics des médecins qui ont troublé sa vie. Je parle à une femme maintenant. Commence à adorer l'Éternel. J'ai envie de continuer de prophétiser. J'ai envie de continuer de prier pour toi. Les miracles doivent s'opérer. Ta délivrance doit rentrer. Les prophéties ont longtemps duré. Tu as beaucoup prié. Dieu t'a dit te fera rentrer dans ta destinée. Dieu t'a dit te fera rentrer dans tes prophéties. Tu as l'impression que tout ce que tu as reçu comme prophétie, rien de bon ne se fait. Tu as l'impression que tu vis le contraire de ce que l'Éternel t'a promis. My God. Mais je vois la main de Dieu se lever sur toi. Le leadership ne meurt pas. Yandarabo shakababa. Hey! Rabababa, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'Éternel me demande de te dire, Yandarabo hey, ha, alléluia, hey, Yandarabo shakababa, sa parole ne peut pas retourner à lui, sans alors s'accomplir sur la terre, sans pourtant avoir des effets sur la terre. L'Éternel te fera rire au milieu de tes ennemis. Là où les gens disent que tu es fini. Là où les gens disent que plus rien de bon ne peut sortir de toi. Là où les gens disent qu'on t'a rejeté. Là où les gens disent, Yandarabo Shakababa, que toi, tu ne peux plus être considéré. Je déclare et décrète que mon Dieu tende tes limites. Que mon Dieu tende tes limites. Que mon Dieu tende tes limites. Parce que la distance n'est pas une barrière. Pour que Dieu te fasse sortir de ces célibats endurcis. De ces célibats dont les gens se moquent de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. My God. Adore ce Dieu-là. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas un slogan bien-aimé. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est l'Éternel des armées. Il est le Dieu des dieux. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui m'a ramassé à l'eau des bars. Il est celui qui m'a ramassé dans la honte. Yandarabo Shakababa. Va partager. Adore-le. Élève-le. Alléluia. Exalte-le, Yandarabo Shakababa. Ainsi dit l'Éternel. Fifi Mobwete. Yandarabo Shakababa. Hey! Ha! Alléluia. Ainsi dit l'Éternel. Yandarabo Shendereke Yakababa. For Yanamana Shindereke. Eko Rishkanamana Shikemeneke Yakababa. Yandarabo Shakababa. Yandarabo Shendereke Yakababa. La construction qui s'est levé, a créé beaucoup de jalousies, a créé beaucoup de problèmes, a créé beaucoup de défis. La construction qui s'est levée, la construction, Yandarabo Shendereke Yakababa, Koriana Manashike, d'autres disent alors, qu'est-ce que tu veux montrer? Pour qui tu veux te faire voir? Où est-ce que tu veux aller? On verra. Tu vas recevoir beaucoup d'attaques, mais la main de l'Éternel sera sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse-moi te dire une chose. La Bible dit, chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alléluia. Alléluia. Yandarabo Shakababa. Que la main de mon Dieu soit sur toi. Va adorer ce Dieu.
Va adorer ce Dieu. Adore ce Dieu-là. Dis-lui, il s'appelle le roi des rois. Il s'appelle le soleil et le vent, le soleil de justice. Ce Dieu-là m'a donné des enfants, sans trompe, sans matrice. Ce Dieu-là, Yandarabo Shakababa, m'a ressuscité d'entre les morts. Ce Dieu-là, Yandarabo Shendereke Yakababa, a changé mon identité. Il a changé mon nom. Il est le Dieu de la dernière minute. Il faudrait que ton intelligence s'arrête. Il faudrait que tout ce qui est chez toi s'arrête pour que lui continue. Parce que lui, il se lève pas. Il est le commencement et la fin. Pendant qu'on parle de toi, lui voit. Pendant qu'on te traite mal, lui voit. Pendant que tu as perdu tout ce que tu avais dans tes mains, Dieu y voit. Pendant qu'on te veut te voir tout le temps pleurer, te voir dans l'humiliation, dans le rejet, dans la souffrance, lui voit. Et le temps est arrivé où le Dieu d'Israël doit continuer pour ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ta matrice doit prendre forme. Là où tu en t'as dit, Yandarabo Shakababa, Yandarabo Shendereke Rababa. Hey! Alléluia! 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 Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, merci pour ta présence, merci parce que tu es là, merci parce que tu es là, nous t'adorons éternel, merci Saint-Esprit de Dieu, merci pour cette complicité, merci pour ton amour éternel, oh Dieu des armées, papa fais-le éternel, tu es capable, Yandarabo Shakababa, il y a une personne qui est connectée, maintenant pendant que je parle, Yandarabo Shendereke, je vois les chaînes. Je vois les chaînes de condamnation. Je vois les chaînes. Il y a eu un problème, Yandarabo Shakababa, d'épargne. Il y a eu un problème d'épargne, Yandarabo Shendereke. Il y a eu le décès. Et lorsqu'il y a eu le décès, tu as pratiquement aidé tout le monde. Tu avais promis, tu devrais acheter le pain. Je suis en train de voir une tante, c'est une maman. Elle est quand même âgée. Yandarabo Shakababa, tu avais promis alors et tu l'as pas fait. Beaucoup de problèmes lorsque tu es rentré chez toi, tu les as rencontrés. Beaucoup de portes, tu as l'impression alors que ta vie est stagnée. L'Éternel me demande de te dire aujourd'hui, tu vas les réclamer par la salive qu'elle a jetée par terre contre ta vie. Tu vas les récupérer ta vie alors que tu sors de la maison de ton père. Tu dois sortir de la maison de ton père complètement, entièrement. Va demander au sang de Jésus maintenant de couler ici. On a un service à faire, un service à faire avec les hysopes, un service à faire avec l'aloès. L'Éternel doit changer ton nom en vain. Ta délivrance doit se faire voir. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, au nom de Jésus, la mort doit s'arrêter maintenant. La mort doit s'arrêter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ et de Nazareth, chaque mois de novembre, vous perdez un membre. Chaque 8 mois, vous perdez quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pendant que je suis en train de parler, j'arrête ce fléau maintenant. J'arrête cette hémorragie maintenant. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je parle maintenant, il y a 5 femmes qui sont en train de me suivre avec un homme. Pendant que je parle, tu as un problème alors. On t'a trouvé avec le COVID-19. Tu as un problème de respiration. Tu as un problème. Vous avez un problème. Et ça persiste. C'est la 2e fois. Lorsque je vais prier avec l'eau tout à l'heure, tu vas boire cette eau de vie. Oui, ça deviendra l'eau de vie. Ça deviendra l'eau des miracles. Et l'histoire de ta vie, de vos vies vont changer. Au nom de Jésus. Vous allez témoigner comme beaucoup de femmes ont témoigné. Beaucoup d'hommes ont témoigné. Où Dieu a guéri, où Dieu a réparé, où Dieu a relevé. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. La distance n'est pas une barrière. Au nom de Jésus. Jésus, je déclare et décrète la délivrance de ta vie, la délivrance de ta famille, au travers de toi, maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque muraille qui t'interdit de rentrer, Yandarabo Shakababa, tu es là, tu m'entends, les gens te promettent, tu vas, c'est-à-dire de promesse sur promesse, les gens te promettent, mais les gens ne réalisent pas, quelqu'un peut te promettre, tu vois vraiment que c'est une personne disposée. La personne a promis, dès que le temps arrive, pour que toi tu puisses rentrer alors en possession de ton percé, en ce moment-là, les portes se ferment. Même la personne de téléphone, elle ne prend plus. Aujourd'hui, la main de mon Dieu va se lever sur toi. Et cette nouvelle semaine, tu seras visité avec un montant que tu n'as même pas demandé à Dieu. Parce que Dieu va te visiter financièrement. Dieu va te visiter financièrement au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme qui est là. Pendant que je suis en train de parler, tu perds les enfants tout le temps. C'est-à-dire à chaque fois que tu mets au monde, ta grossesse arrive à terme.
Mais lorsque les enfants sortent de ton ventre, les enfants meurent. Les enfants, là, pour que tu saches que c'est de toi que je parle, ils meurent comme si on les a brûlés. Ils meurent comme s'ils ont reçu la chaleur. Ils meurent comme si on a renversé de l'eau chaude sur eux. Je suis en train de voir une marmite qui boue au niveau de ta matrice. Une marmite alors qui boue. À chaque fois que ta grossesse avance, ton ventre se rétrécit. Ta matrice se rétrécit. À chaque fois que la grossesse avance, ton ventre se rétrécit. Mais laisse que pendant que je suis en train de parler, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne perdras plus les enfants. By fire, by force. Tu ne perdras plus les fruits de tes entrailles. By fire, by force. Tu es là, tu m'entends. Dans ta propre famille, le ventre de ton père, de ta mère, dans la même maison où tu as grandi, eux-mêmes, ils te jalousent. Ils ne veulent pas te voir béni. Lorsque tu es un peu béni, là, on commence à dire qu'est-ce qu'elle veut montrer. Écris-moi sur mon WhatsApp. Il y a une femme qui est là. Pendant que je parle, tu as perdu ton mari. Alléluia. Partagez, s'il vous plaît. Likez la vidéo YouTube. Likez la vidéo Facebook. Likez, même si on n'est pas nombreux là. Likez la vidéo. Aimez la vidéo. Cette semaine qui est en train de commencer, je vous dis sur ma parole, les gens témoigneront à un niveau. Depuis qu'on a commencé là, on n'a pas encore vu la main de Dieu comme ça. L'année est en train de finir, mais notre Dieu, lui, ne finit pas. L'année est en train de finir, le mois même est en train d'aller vers la fin. Tu as reçu des prophéties de la part de l'Éternel depuis le mois de janvier. Et jusqu'aujourd'hui, rien ne s'est fait. Aime la vidéo et partage. Au nom de Jésus-Christ, pendant que je suis en train de parler maintenant, il y a un papa qui me suit, tu as un problème de diabète. Je suis en train de voir un problème de diabète. Ce problème a commencé depuis longtemps. Ce problème s'est assis dans ta famille. Depuis longtemps. Mais l'Éternel me demande de te dire que cette marmite-là, l'enzungwa ma famille-là, c'est toi qui dois renverser. C'est toi qui dois t'élever. Il faut renverser. Là, on a mis les noms de tout le monde. Là, on a mis toute une génération dedans. On a mis des générations, des générations, des générations. Alors, tu dois renverser cette marmite pour que les miracles s'opèrent. Au nom de Jésus-Christ. Pendant que je suis en train de parler, tu as raté beaucoup d'accidents de circulation. Beaucoup d'accidents de circulation. Et la personne qu'on a, Yandarabo Shakababa. Écris-moi une box. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. Il y a une femme pendant que je suis en train de parler. Oh Saint-Esprit. Alléluia. Je veux voir les partages, please. Je veux voir les partages. Encouragez-moi, s'il vous plaît. Lorsque je parle, j'ai les yeux fermés. Amen, amen. Donc, encouragez-moi, s'il vous plaît. Aimez la vidéo. Likez simplement la vidéo. L'Éternel doit parler pour toi. L'Éternel doit défendre ta cause. L'Éternel doit changer le nom de ta famille. Aujourd'hui, les liens de malédiction, de condamnation doivent libérer. Tu es là, tu m'entends. Tu vis une peur inexpliquée. Tu as peur de quelque chose que tu ne comprends pas. Tu marches avec un esprit de peur. Tu as peur d'une chose que toi-même, tu n'arrives pas à maîtriser. Va plaider le sang de Jésus dans ta famille. Va plaider le sang de l'agneau immolé dans ta famille. Va plaider le sang de la réparation dans ta famille. Va plaider le sang qui crie plus que le sang d'Abel maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu dois prendre la capsule du sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Tu dois prendre la capsule. Vous partez d'échec en échec. Va plaider le sang de Jésus. Aujourd'hui, la stérilité doit mourir. Que ce soit une stérilité primaire ou secondaire, aujourd'hui ça doit libérer. Aujourd'hui ça doit disparaître. Aujourd'hui ça doit prendre feu. Aujourd'hui ça doit être brisé.
au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth. Je parle à ta vie. Va plaider le sang de Jésus. Demande au sang de Jésus-Christ et de Nazareth de se lever dans ta vie, de parler en ta faveur, de parler pour ta famille. Va demander au sang de Jésus-Christ et de Nazareth de défendre ta cause. Que le sang de l'agneau immolé rentre dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qui crie plus que le sang d'Abel, se lève pour toi. Au nom puissant de Jésus, va plaider le sang. Va plaider le sang de la nouvelle alliance. Va plaider le sang, que la honte de ta famille soit bannie. Va plaider le sang. Le sang qui change les histoires, les données. Va plaider le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ et de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu, tu m'as dit à partir de demain lundi, plusieurs témoigneront pour ta gloire. À partir de demain lundi, plusieurs éternels et larmes seront essuyées. À partir de demain lundi, Seigneur, tu m'as dit, plusieurs vont tester positif. Seigneur, tu m'as dit à partir de demain lundi, plusieurs seront restaurés. Les années éternelles qu'ils ont perdues depuis longtemps. Tu m'as dit, Éternel, que tu vas les restaurer, les restituer. C'est le temps éternel. Maintenant, lève-toi. Lève-toi, mon Dieu. Lève-toi, Éternel. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Yandarabo Shakababa. Lisette Kanda, lève-toi en prière. Je suis en train de voir, pendant que je suis en train de parler, une personne qui vient t'attraper par la taille. Une personne qui est en train de t'appuyer par la taille. Une personne qui est en train de te sceller par la taille. Pendant que je suis en train de parler, une personne veut te voir, Yandarabo Shakababa, sortir là où tu te trouves et que tu te retrouves toujours dans la tristesse. Les gens sont là qui ne veulent pas te voir heureux. Les gens sont là qui ne veulent pas te voir béni. Les gens sont là qui ne veulent pas te voir te stabiliser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que mon Dieu se lève pour toi. Laisse que mon Dieu parle pour toi. Au nom de Jésus-Christ, tu as une maladie dans ton corps qu'on n'arrête pas de voir tout le temps. Même quand on t'a donné les médicaments, même quand on t'a donné un traitement, tu es sur médicament, tu es devenu comme le cobaye de ta famille. Ainsi dit l'Éternel, cette semaine, une nouvelle histoire est en train de commencer pour toi. Ainsi dit l'Éternel, cette semaine, un nouveau départ est en train de commencer pour toi. Un nouveau départ est en train de commencer pour ta famille. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je te parle? Est-ce que c'est à toi que je parle? Est-ce que c'est à toi que je parle? My God! Est-ce que c'est à toi que je parle? Laisse que la main de mon Dieu se lève dans ta vie. Laisse que la main de mon Dieu se lève dans ta vie. Laisse que mon Dieu enlève la honte. Yandarabo shakababa. Koriana mana shikemene. Rabababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yandarabo shenereke yakababa. Koriana mana shikemene ke yakababa. Tu dois rentrer dans ta victoire. Tu dois rentrer dans ta victoire. Demande au Saint-Esprit de Dieu de t'aider, de te relever. Demande au Saint-Esprit de Dieu de se révéler à toi. Demande au Saint-Esprit de Dieu d'ouvrir à tout ce qui est à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Demande au Saint-Esprit de Dieu de briser les condamnations. Maintenant, va te lever. Va dire à l'Éternel, alors que tu sors de la maison de ton père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que la honte reste dedans. Que la honte reste dedans. Que la yandarabo shakabababababa. Koriana mana shikemene. Rabababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va demander au Saint-Esprit de Dieu de te relever maintenant. Dis Seigneur que ton esprit me relève. Dis Seigneur que ton esprit me relève. Dis Seigneur que ton esprit me relève. Dis Saint-Esprit de Dieu. 2020 s'en va à la fin. Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir dans ma vie. Andarabo shakababa. Fais les membres, je prophétise dans ta vie. Maintenant, tu dois rentrer dans la gloire. Maintenant, tu dois rentrer dans l'accomplissement. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Fais les mambos, tu dois rentrer dans ton témoignage. Au nom de Jésus-Christ, je déclare et décrète que tout ce qui était fermé de toi s'ouvre. S'ouvre, Saint-Esprit, merci. S'ouvre maintenant.
S'ouvre maintenant. S'ouvre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que Yandarabo Shakababa, que mon Dieu se lève dans ta vie, dans ta maison, sur ton lit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète dans ta vie à toi le temps de rire, le temps des miracles, les ouvertures. Oui, je parle à ta vie, Félia Mombo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci parce que tu le fais. Merci Éternel. Je te bénis. Je t'élève Éternel. Merci. Merci. Va dire maintenant au Saint-Esprit de Dieu de s'élever pour ta santé, de s'élever pour ton foyer, de s'élever pour ta vie, de s'élever pour ta famille. Va dire au Saint-Esprit de Dieu, je vais sortir maintenant de la maison de mon Père. Viens me parler, viens me montrer, viens me révéler les choses cachées que je ne connais pas. Je veux te voir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, maintenant même, je vois l'Éternel faire taire les gueules de tes ennemis. Je vois l'Éternel faire taire la gueule de tes ennemis. Je vois l'Éternel relever ta vie. Je vois l'Éternel te rebâtir. Je suis en train de voir un couple. L'autre est de Congo Brazza, l'autre est de Congo Kinshasa. Les désaccords est rentré totalement à cause de manque d'enfants. L'Éternel, mon Dieu, me demande de te dire, la pierre a été roulée. Yandarabo Shakababa. Yandarabo Shendereke. La pierre a été roulée. L'Éternel va te faire rire. L'Éternel va faire entrer la paix dans ta maison, dans ton couple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète maintenant, pendant que je parle, que le Saint-Esprit de Dieu parcourt maintenant, Yandarabo Shakababa, la vie de plusieurs. Au nom de Jésus-Christ. On t'a longtemps insulté. On t'a longtemps insulté. Yandarabo Shendereke Rabababa. Yandarabere Shike. Eliane Elsian. Eliane Elsian, au nom de Jésus-Christ, que la main de mon Dieu se lève sur ta vie. Je prophétise à ta délivrance. Je prophétise à ta délivrance. Je prophétise ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que les miracles s'opèrent. Laisse que la délivrance se lève. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, ta destinée n'est pas à vendre. Ta vie n'est pas à vendre. Ton étoile n'est pas à vendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton mariage n'est pas à vendre. Ton travail n'est pas à vendre. Les fruits de tes mains n'est pas à vendre. Les fruits de tes entrailles n'est pas à vendre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qui est à toi qu'on a vendu. Maintenant, ça revient. Acclame l'Éternel. Est-ce que vous sentez ce que je ressens? Il y a une forte puissance qui est là. Il y a une forte puissance qui est en train de parcourir les maisons. Il y a une forte puissance de la délivrance qui est là. L'Éternel va te faire du bien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'aimerais déclarer. Alléluia. 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 Yandarabo Shakababa. Alléluia. Oh my God. Alléluia. Alléluia. Yandarabo Shakababa. Yandarabo Shendereke. Tu es prête à passer l'opération. Je veux parler à l'une de mes filles qui a bâti son hôtel. Je parle à ma fille qui a bâti son hôtel. J'ai prié avec elle déjà la journée. On t'a dit qu'on va t'opérer. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Une fois de plus, je lève Yandarabo Shakababa. Yandarabo Shendereke Yakababa. For Yanamana Shindereke Yakababa. L'Éternel doit te faire entrer dans la gloire. Le live est signalé, partagé. Ton pasteur a donné une autre femme à ton mari. Tu es là, tu m'entends? Ton pasteur a donné une autre femme à ton mari. Maintenant, pendant que je parle, tu es en guerre. Tu ne sais plus comment faire. Alors que c'est toi qui as emmené ton mari là-bas. Alors que c'est toi qui as fait rentrer ton mari là-bas. Au nom de Jésus-Christ, laisse que la main de mon Dieu se lève dans ta vie. L'Éternel, mon Dieu, va te faire rire. Au nom de Jésus, tu vas aller prier. Aujourd'hui, c'est un problème de sortie. Aujourd'hui, c'est un problème de sortie. Alléluia. Écris, tout va bien. Écris, tout va bien. Justine Agnès, sois bénie. Écris, tout va bien.
Écris sur moi, tout va bien. Déclare, tout va bien. Alléluia. Yandarabo Shakababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, c'est la prière de 14 jours de jeûne et prière. Nous avons cherché la face de Dieu. Nous avons prié l'Éternel. Nous avons jeûné. Le Dieu qui voit tout, qui sait tout, doit se lever pour ton cas. Seigneur, merci. Je t'élève, Éternel, toi le Dieu Tout-Puissant. Au-dessus, Éternel, Papa de tous les cieux, tu es Dieu. Tu as fait les cieux et la terre avec intelligence. Seigneur, et tout ce qui contient, Papa, même dans les eaux, c'est toi qui l'as fait. Éternel, tu gardes ta fidélité d'éternité en éternité. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Dieu inchangé. Me voici, Éternel, devant Papa les vainqueurs, les femmes de foi, les papas de foi. Éternel, nous sommes là. Nous voici, Éternel, devant les intercesseurs. Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est toi qui as dit, nous allons prier avec nos huiles d'onction, avec nos hysopes, Éternel, et l'aloès, et toi, tu vas agir. Ta main n'est pas courte, Éternel, ni ton oreille trop dure pour nous entendre. Je viens devant toi, Éternel. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Éternel, que tu puisses nous rafraîchir pour que les miracles s'opèrent. Père de gloire, je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour ni le Fils de l'homme éternel. Seigneur, mon Dieu, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Lève-toi. Nous voulons te voir. Papa, nos yeux veulent voir. Nos oreilles veulent entendre, Éternel. Les gens autour de nous, Éternel, doivent témoigner. Seigneur Jésus-Christ, tu ne mens pas. Tu es le même. Tu es Jéhovah Rapha, celui qui guérit, Éternel. Même la cécité spirituelle, celui qui guérit, Éternel. Même les maladies incurables, celui qui guérit, Éternel. Toi qui es capable de mettre, Papa, les collyres ou de donner un traitement que la médecine ne peut pas donner. Tu es le Dieu véritable. Seigneur, je crois au miracle. Tu es Jéhovah Rapha. Il y a plusieurs sont malades, physiquement, spirituellement. Ta main n'est pas courte, Éternel, pour que toi tu agisses, pour que toi tu répondes, pour que toi tu ouvres, pour que toi tu délivres, pour que toi, Éternel, mon Dieu, mon roi, tu changes. Tu es le Dieu éternel qui m'a choisi depuis mon enfance. Je t'ai donné toute ma vie éternelle. Je vis que pour te servir, ô Éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons Yandarabo Shakababa. Koriana Manashike. Yandarabo Shendereke. Plusieurs sont malades, Éternel. Nous avons besoin de ta guérison. Oui, Seigneur. Tu guéris même, Papa, lui, parce que tu es Jéhovah Rapha. Par tes meurtrissures, Éternel, nous sommes guéris. Seigneur, je crois que le temps des miracles pour plusieurs est arrivé. Tu guéris, mon Dieu, mon roi. Même les maladies que les médecins ne peuvent pas guérir. J'entends ta voix dire délivrance. Délivrance. Seigneur Jésus-Christ, au nom des femmes de foi, au nom des intercesseurs divins, au nom éternel, mon Dieu, mon roi des vainqueurs, je me lève, Yaya. Père céleste, que ton sang vienne maintenant pour nous laver. Rends-nous purs, éternel, comme tu le dis dans Matthieu 5, verset 8. Père céleste, repends ton esprit sur nous, que ton onction éternelle, Papa, rentre au-dedans de nous, afin que les dons spirituels que tu as mis en chacun de nous puissent voir le jour, au nom de Jésus-Christ. Père céleste, c'est toi qui as dit, on aura des visions, des songes éternels. Tu l'as dit dans Joël 2, verset 28. Père de gloire, viens perfectionner l'œuvre de la croix maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Viens perfectionner l'œuvre de la croix éternelle. Nous avons besoin de toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai et tu me glorifieras. Papa, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'élever. Toi, le témoin du siècle. Seigneur, nous voulons t'élever.
Toi, le Dieu qui ne change pas. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous avons choisi, éternel, de te suivre, toi. Tu nous as dit, sors de la maison de ton père, séparez-vous de la maison de nos pères, parce que dans la maison de mon père, éternel, j'ai été condamné, j'ai été vendu, j'ai été bloqué, j'ai été scellé, j'ai été rétrogradé, j'ai été, éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce que toi tu connais, mon Dieu, viens aujourd'hui nous aider à être séparés de cette hypocrisie. Viens maintenant nous aider à sortir de là. Seigneur, mon Dieu, mon roi, alors que nous nous tenons pratiquement à la porte de 2021, tu es le Dieu qui est capable de nous donner les stratégies afin que nous puissions rentrer dans la gloire. Par la puissance éternelle, papa, de Luc 10 à 19, je me tiens éternel comme oracle du Dieu très haut. Je lève éternel mes mains au ciel. Mon cœur est élevé éternel. Moi et les femmes de foi, les modérateurs, les intercesseurs éternels, mon Dieu, mon roi. Nous nous levons éternel. Je viens déclarer, décréter, alors que nous sortons de la maison éternelle paternelle, je brise la force des accidents, des tragédies, de la tristesse, de la mort, de rejet, de maladie curable, incurable, de la honte éternelle, de la méchanceté, au nom de Jésus-Christ et de Nazareth. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te demande maintenant de rentrer en action. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, Saint-Esprit, beaucoup de personnes, on a créé des embuscades mortelles pour les voir mourir afin de ne pas sortir de ce mois de novembre. Cher Saint-Esprit de Dieu, je t'appelle maintenant, je t'appelle maintenant, je t'appelle maintenant que le feu dévorant du Saint-Esprit de Dieu garde la vie de chaque personne qui est en train d'entendre ma voix. Au nom de Jésus, que tous les poursuivants yandarabo shakababa de la destinée de tes enfants reçoivent le feu et libèrent maintenant au nom de Jésus-Christ et de Nazareth par la puissance de la croix éternelle. Je me lève maintenant. Je rejette tous les vœux de la maison de mon père. Va rejeter les vœux de la maison de ton père. Va rejeter les condamnations de la maison de ton père. Va rejeter l'esprit de mort de la maison de ton père. Va rejeter la maladie de la maison de ton père. Va rejeter le célibat de la maison de ton père. Va rejeter tout ce qui est en train de te condamner de la maison de ton père. Va rejeter maintenant. Je vois l'éternel donner plusieurs personnes des clés. Donner plusieurs personnes des clés. Au nom de Jésus-Christ, toute maladie diabolique, toute souffrance diabolique, tout diagnostic diabolique, au nom de Jésus, qui voudront alors nous voir pleurer, nous voir dans la tristesse, reçois le feu now, au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit de Dieu, libère ton feu dans la vie de Esther Béni. Merci Saint-Esprit, je ne sais même pas si elle est là, au nom de Jésus. Yandarabo shakababa, yandarabo shendereke yakababa. Rabababa, libère ton feu éternel, libère ton feu éternel, libère ton feu éternel, libère ton feu maintenant et brûle, Père de gloire, tout ce que toi tu n'as pas planté dans son corps, maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute chose éternelle dans le corps de Esther Béni reçoit le feu au nom de Jésus, toute maladie éternelle, yandarabo shenereke, randarabo shakababa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, Yandarabo Shakababa. Hey! Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit de Dieu, je demande que tes anges se lèvent maintenant, que tes anges se lèvent maintenant. Alléluia! Alléluia! Yandarabo Shendereke Rabababa. Koriana mana shikemene, rababa. Koriana mana shikemene. Yandarabo shakababa by fire by force. By fire by force. By fire by force. By fire by force. By fire, 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 fire. Seigneur mon Dieu, mon roi, je demande éternel, alors que nous sommes en train de sortir de la maison paternelle, que tu te lèves dans la vie éternelle de tes enfants. Que tu te lèves éternel, papa, de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Papa, que tes anges assignés à nous garder éternel jusqu'en 2021-22, jusqu'aux années à venir, se lèvent maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons passer éternel, papa, ce grand fleuve. Nous voulons traverser cette grande mer rouge éternelle pour rentrer en 2021. Nous voulons traverser éternel, papa, la mer rouge, là où les gens sont morts, là où les gens sont tombés cette année 2020. Fais-nous rentrer éternel, mon Dieu, mon roi, dans la gloire, maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sortons éternel dans la maison, papa, de nos parents, je ferme
ferme maintenant définitivement toutes les portes ouvertes par l'ennemi dans la maison de mon père. Oui, Seigneur, je vois les clés que tu es en train de donner. Je vois les clés que tu es en train de donner. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va déclarer, je sors éternel de la maison de mon père. Je sors éternel, revêtu de l'armure divine. Je sors maintenant, revêtu de l'armure divine, complètement couvert du sang de l'agneau immolé, habillé du Saint-Esprit de Dieu, habillé de la justice de Jésus, entouré des anges divins, recouvert de faveur. Elohim, mon Dieu, mon Père, environne ma vie. Il dit, fais de ses messagers le vent, il fait de ses serviteurs une flamme de feu. Il dit, je suis couvert par le feu du Saint-Esprit de Dieu, par le sceau. Le Rédempteur, l'intouchable Dieu, se lève dans ta vie, maintenant même, au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, sous ton autorité maintenant, je déclare et décrète la sortie de la maison de nos pères, tout ce qu'on enterrait dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, qui m'empêche de rire, qui m'empêche de me réjouir, qui m'empêche d'aller de l'avant, qui m'empêche éternel d'être délivré. Que le feu du Saint-Esprit de Dieu s'allume maintenant. Je dis fire, au nom de Jésus. Toute forme de condamnation éternelle que l'ennemi a relevé contre ma vie de prière, contre mon mariage, contre ma santé, reçois le feu. Toute maladie éternelle qu'on nous imposait à cause de la famille éternelle de laquelle je suis née. Tu as payé le prix, le sang de Jésus. Tu es notre papa. Tu es notre Seigneur, tu es notre salut. Je veux te voir à l'œuvre éternelle. Aujourd'hui, je vois Dieu repositionner plusieurs personnes. Dans votre famille, les hommes ne travaillent pas. Les hommes n'ont pas de travail. Les hommes ne vont pas de l'avant. Les hommes n'ont pas la victoire. Les hommes, comme on dit chez nous en Lingala, badiembe la kakaka. Alléluia. En tout cas, sauvé. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, va déclarer, va prier, va dire éternel. Ta parole me dit dans le livre de Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Au nom de Jésus, je refuse de mourir. Je vais demeurer sous l'ombre du Tout-Puissant. Tout esprit de paresse spirituelle dans ma famille, dans la vie de tous les hommes de ma famille, je le brise et je le taille en pièces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va prier, va demander à l'Éternel de t'aider à sortir de là, au nom de Jésus, pour que le ciel s'ouvre, pour que les miracles s'opèrent. Alléluia. J'attends que tu déclares, va déclarer ta sortie. Va dire en ce 11e mois, je me lève éternel, je refuse, je dis je ne mourrai pas. N'importe quel fléau que l'ennemi enverra ne me touchera pas. Au nom puissant de Jésus, je prophétise dans ta vie que la mort ne rentrera pas chez toi. Je prophétise dans ta vie que la mort ne te visitera pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise toute puissance de rejet contre ta vie, contre ton mariage, contre ton travail, contre tes mains. Je brise toute puissance de sorcellerie contre ta famille, contre tes entrailles, by fire, by force. Je brise toute puissance de mort, de disgrâce, de manque de travail, de chômage. Je brise toute puissance de la rétrogradation dans ta vie, toute puissance de la maladie, toute puissance des rêves des eaux, des rêves sexuels,
Je les brise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toute vie de stérilité, de manque d'enfants, d'humiliation, de moquerie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que la mort prématurée, je le taille en pièces maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'appelle un nettoyage spirituel. Merci Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Au nom de Jésus, je brise toute parole de malédiction sortie sur toi. Je brise toute parole de malédiction sortie sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu ne répéteras pas l'histoire à cause des péchés de tes ancêtres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je brise l'esprit d'abattement. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je demande la délivrance sur les jougs des liens dans ta vie. Au nom de Jésus, tous les cachots dans lesquels on t'a enfermé, je demande ta sortie maintenant. Au nom de Jésus, Yandarabo Shakababa, rentre dans ton mariage. Alléluia. Première dame, rentre dans ton mariage. Première dame, rentre dans ton mariage. Il y a une femme qui est là, tu es une première dame. Rentre dans ta saison, merci Saint-Esprit. Rentre dans ta saison, tu es une première dame. Rentre dans ta saison, rentre dans ta saison. Tu es une première dame, tu es l'élu de Dieu. Au nom de Jésus, je brise le joug de célibat dans ta vie. Je brise le célibat. Je brise le célibat. Je brise le célibat. Yandarabo Shakababa. Rentre dedans. Tu es une première dame. Rentre dans la gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Tout ce qu'on t'a volé dans la maison de ton père, maintenant j'appelle la restauration. Tout ce qu'on t'a pris dans la maison de ton père, maintenant j'appelle la restauration. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te remplisse maintenant de son esprit de gloire. Yandarabo Shakababa. Je vois des miracles financiers. Je vois des miracles financiers. Yandarabo Shakababa. Koriana mana shikemeneke yakababa. Ton mari t'a tellement blessé. Ton conjoint t'a tellement fait du mal. Ton conjoint t'a tellement attristé. Que tu es là, ton cœur est dans l'abattement. Maintenant, au nom de Jésus. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, Yandarabo Shakababa, celui qui est même capable de changer, même alors le fou est devenu normal. Laisse que l'Éternel se lève dans ton couple au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus. Va prier, va renverser l'homme fort, la femme forte de ta famille. Va renverser l'homme fort, la femme forte du côté de ton père, du côté de ta mère, qui ne veut pas te voir rire, qui ne veut pas te voir aller de l'avant, qui ne veut pas te voir délivrer, qui ne veut pas te voir avoir des enfants, qui ne veut pas te voir te marier, qui ne veut pas voir ta vie de prière changer, qui ne veut pas que tu aies tes papiers, ô Saint-Esprit de Dieu. Je libère maintenant l'onction de la grâce, l'onction de la faveur. L'onction des miracles, cette semaine ne te passera pas. Tu dois recevoir ton email pour avoir tes papiers. Je lève cet embargo au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute femme forte, tout homme fort, assis sur tes papiers, assis sur tes documents, assis Yandarabo Shakababa. Reçois le feu, reçois le feu, reçois le feu maintenant, reçois le feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. My God. My God, tout serpent qui a avalé tes documents, tout serpent qui a avalé tes titres de séjour, tout serpent qui a avalé tout ce qui est à toi, maintenant, catch fire, catch fire, catch fire. Au nom de Jésus, je parle de tes papiers maintenant. Libère les papiers au nom de Jésus. Je prie pour les papiers. Merci Saint-Esprit. Va prendre l'eau de vie. Va prendre tout ce qu'on avait préparé, qu'on va prier avec. J'aimerais déclarer. J'avais dit que tout le monde devrait avoir son huile d'onction afin que nous puissions avancer. Alléluia. Va prendre, acclame l'Éternel. Va prendre alors, va prendre rapidement. Nous voulons prier. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Va les prendre, nous voulons prier. S'il vous plaît, nous voulons prier. Lord Virginia, merci. Que mon Dieu te bénisse, ma fille. Que mon Dieu soit avec toi. Je vais déclarer pour toi tout à l'heure. Pendant que je suis en train de voir,
Il y a une femme qui est là, tu as des boutons inexpliqués. Les boutons que tu as au visage là, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Tu n'arrives pas à expliquer cela. Tu n'arrives pas à comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors ces boutons-là, l'Éternel me demande de te dire, c'est un esprit de rejet qu'on t'a fait porter. Les boutons que tu vois là, qui poussent tout ton visage, qui ne partent jamais. C'est un esprit de rejet qu'on t'a fait porter. Ça fait même des pus. Dans cette prière, mon Dieu doit te faire entrer dans ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes là dans votre famille. Vous finissez alors les études. Mais pour avoir du travail, ça devient un problème. Laisse que mon Dieu se lève. Je veux prier pour toi. Je veux prier. Je veux prier. Je veux prier. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu doit te délivrer. Mon Dieu doit s'élever dans ta vie. Nous voulons prier. Si tu as déjà pris, tu mets yes. Va prendre alors. Va prendre, va prendre, va prendre. Tu vas mettre yes. Mets ce mot yes, yes, yes. Alléluia. Mon Dieu doit intervenir pour toi. Mais yes. Il y a une grande séparation qui va se faire entre toi et cette situation qui est en train de perdurer. Entre toi et ton miracle. Il doit y avoir une séparation entre toi et le blocage. Il doit y avoir une séparation entre toi et l'humiliation. Il doit y avoir une séparation entre toi et la maladie. Il doit y avoir une séparation entre toi et la rétrogradation. Il doit y avoir une séparation entre toi et le célibat. Il doit y avoir une séparation entre toi et le sida. Il doit y avoir une séparation entre toi et la mort. Il doit y avoir une séparation entre toi et le blocage. Il doit y avoir une séparation entre toi, Yandarabo Shakababa. Tu dois rentrer dans les percées. Tu dois rentrer dans les percées. Tu dois rentrer dans les percées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas rentrer dans les percées. Au nom puissant de Jésus. Yandarabo Shakababa. Seigneur, nous voici. Nous sommes là. Seigneur, merci. Je te bénis, je te rends grâce. Je t'aime, Éternel. Je t'aime, mon Dieu, mon roi. Je te dis merci, va prendre l'eau de vie, va prendre, j'ai dit quoi, tu prends l'eau, tu vas prendre alors les hysopes que j'avais demandé d'acheter depuis jeudi ou vendredi, mercredi passé, je t'avais demandé d'avoir l'hysope ou d'avoir alors les aloès. On va prier avec ça maintenant. Seigneur, merci. Merci Seigneur, que ton nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Jésus, je viens te bénir parce que tu es le Dieu qui agit. Tu promets et tu réalises, Éternel. Merci, Papa. Je te rends grâce, Seigneur, pour ces oliviers que toi, tu as créés, pour ces hysopes que toi, tu as créés, pour ces, Papa, l'eau verra que toi, tu as créé, pour cette eau que toi, tu as créée. Éternel, je te bénis et je te rends grâce. Je les emmène devant toi, Éternel, devant l'armée de tes anges, Éternel, mon Dieu, mon roi, notre service. Seigneur, je te demande de les bénir, de les sanctifier, par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha, selon 1 Timothée 4, 4, 5, qui dit Éternel, car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Dieu de gloire, Dieu de mon appel, le Dieu qui ne sommeille ni ne dort, le Dieu de la délivrance, le Dieu des miracles, je viens te lever maintenant, mon Dieu, mon roi. Toi, tu as dit, mon Dieu, mon Seigneur, dans Apocalypse 22, au verset 2, au milieu de la place de la ville, sur les bords de deux ports du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois les fruits, rendant son fruit chaque mois, et dans les feuilles, servait à la guérison des nations. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes là devant toi. Nous sommes là devant toi, Dieu de délivrance, Dieu de miracles, Dieu de toute suffisance. Seigneur mon Dieu, ce qu'un homme n'est pas capable de faire, toi tu es capable de le faire. Tu dis dans Psaume Éternel 104, verset 14, il fait germer l'herbe pour le bétail et les plantes pour les besoins de l'homme, afin que la terre produise les fruits pour la nourriture. Éternel mon Dieu, mon roi,
Lève-toi maintenant. Lève-toi, Jésus. Lève-toi, Éternel. Je consacre, Éternel, mon Dieu, mon roi, tous ces éléments pour guérir les malades, Éternel, pour transformer la vie de tes enfants, pour enlever la tristesse, Éternel, et mettre la joie à leur place. Éternel, mon Dieu, mon roi, que chaque personne qui a pris ce que tu nous as demandé reçoive la bénédiction en ton nom, au nom de Jésus. Reçoive la délivrance, Éternel, de toute souffrance, de toute papa infirmité, de tout problème, Éternel, mon Dieu, mon roi, de toutes les ruses de l'ennemi. Seigneur, que tous ces éléments soient maintenant le symbole de ta présence, de ta présence, de ta présence maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus, je parle à tous ces éléments. Vous allez rentrer dans le corps des enfants de Dieu pour aller annuler Yandarabo Shakababa, pour aller arracher, pour aller enlever Yandarabo Shenderekeyakababa, tout ce que papa n'a pas planté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour retirer Yandarabo Shakababa, l'esclavagisme, l'esprit de mort, la rétrogradation, le rejet, le brisement, au nom de Jésus, la maladie, Yandarabo Shakababa, la mort précoce, au nom de Jésus-Christ, le blocage, le freinage, Yandarabo Shenderekeyakabababa, la rétrogradation, le célibat, la stérilité, les maladies curables et incurables, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lorsque les enfants de Dieu vont utiliser ceci, les miracles doivent s'opérer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, c'est tôt, papa, laisse que ça devienne l'antibiotique des antibiotiques. L'aloe vera éternel, ça doit agir dans la santé, dans la vie de tes enfants. Cet hysope éternel doit rentrer dans la vie éternelle pour transformer la vie de tes enfants. Cette huile d'onction pour briser et enlever éternel tout ce que toi tu n'as pas mis. Tu es le grand médecin. Tu es éternel le réparateur des brèches. Lève-toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Au travers, Seigneur, papa, de cette eau, au travers, éternel, de ces éléments, papa, opère des prodiges, opère des miracles, opère la délivrance. Saint-Esprit de Dieu, coule maintenant, rentre maintenant et change l'histoire de la vie des enfants de l'éternel. Au nom de Jésus, par la puissance de ton nom éternel, viens restaurer les vies. Viens restaurer le cœur brisé, contrit, meurtri, au nom de Jésus. À partir de maintenant, éternel, nous voulons te voir, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne, éternel, à cet aloe vera d'obéir la parole de l'éternel, à cet hysope d'obéir la parole de l'éternel. J'ordonne, éternel, à cette huile d'onction de revenir comme toi tu l'avais créé à la croix, Seigneur Jésus, au jardin d'Éden, au nom de Jésus-Christ, et que cette eau éternelle devienne le sang de Jésus. Que toute malédiction dans la vie de tes enfants, papa, soit emporté par le sang de Jésus. Soit retiré, soit enlevé. Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, ta parole me dit au commencement. La parole de l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Viens te mouvoir dans cette eau éternelle. Viens te mouvoir, éternel papa, pour amener la guérison, la restauration, le changement dans les cœurs, dans les foies, dans les poumons, dans les reins, dans les vessies, dans les ventres éternels, dans la tête, mon Dieu, mon roi, pour enlever les prostates, pour enlever éternel toute maladie, tout problème, pour rentrer dans les trompes, les matrices éternelles, pour rentrer dans les ovaires, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans cette eau éternelle, je rejette toute maladie spirituelle, toute souffrance spirituelle, toute condamnation éternelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, au nom de Jésus, je revais chaque personne qui va faire ce service par ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, alors qu'ils vont faire ce service, évacue toute puissance qui retient leurs organes, qui retient leurs miracles, qui retient leur vie, qui retient éternelle leurs étoiles, by fire, by force. Que sais-tu apporte la faveur? Que sais-tu fasse tarir éternel, la force de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus. Tu as dit, viendra par un seul chemin, et l'Esprit de l'Éternel ne fera fuir par ce chemin. Que la puissance éternelle, mon Dieu de guérison, rentre maintenant. La puissance du changement, de la restauration, du changement, se lève maintenant, au nom de Jésus-Christ. Alors que nous allons utiliser cette eau, Yaya, laisse que des grandes bénédictions se lèvent devant nous, dans nos familles. Nous sortons de la maison paternelle. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous voulons te voir. En buvant cette eau, en utilisant ces plantes éternelles,
nous voulons te voir. Que tout dépôt, chaque nourriture nocturne que nous avons mangée dans le sommeil éternel, que dans la vie physique éternelle, puisse être évacué au nom de Jésus-Christ. Là où l'esprit d'envoûtement, de maladie, de sorcellerie, puisse, Papa Seigneur, libérer nos vies au nom de Jésus. Lève-toi éternel, utilise ces services pour purger les faiblesses dans la vie de tes enfants. Nous voulons te voir au nom de Jésus-Christ. Toute forme de faiblesse éternelle, je l'ordonne d'être évacuée, de sortir maintenant, by fire, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, je demande éternel ce service. Tu l'as fait pour cet aveugle né. Fais-le aussi éternel pour la vie des femmes de foi, des papas de foi. Fais-le aussi éternel, mon Dieu, mon roi. Pour les couples qui sont en train de pleurer, restaure éternel, rebâtis éternel, refais éternel, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, selon ta parole, ô Seigneur. Ézéchiel 36, verset 25. Seigneur, nous allons asperger, nous allons faire ce service, que les miracles s'opèrent. Je déclare et décrète éternel que cette eau, ces papas, ces plantes sont chargées de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, afin d'opérer la délivrance, afin d'opérer des miracles. Cher Saint-Esprit de Dieu, cher Saint-Esprit de Dieu, tu connais les besoins de chaque personne. Agis, agis, agis. Je déclare et décrète que la mort ne connaîtra jamais leur adresse au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, dans cette eau de vie, poursuis tous les ennemis obstinés à vouloir les voir mourir ou les voir tomber au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je proclame la victoire. Je proclame l'onction. Je proclame éternel la délivrance. Je proclame le changement. Je proclame la restauration divine. Je proclame éternel les miracles. Je proclame éternel mon Dieu, mon roi, le changement, la pureté. Seigneur, je proclame que tu vas faire pousser les trompes, les matrices, les ovaires, au nom puissant de Jésus, les trompes, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, utilise cette eau. Utilise ces plantes pour nettoyer, pour enlever tous les péchés au nom de Jésus, depuis nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui. Enlève les reproches, enlève la honte, enlève le rejet. Dans toutes les parties, papa, de nos corps, dans toutes les traces de nos vies, toutes les marques, viens les enlever maintenant. Seigneur mon Dieu, mon roi, que cette eau, que ces services arrêtent éternellement la puissance des démons dans la maison de mon Père qui me suivent au nom de Jésus. Que les miracles s'opèrent. Je prie éternel maintenant que les portes s'ouvrent dans la vie de chaque personne qui va faire ce service. Que la délivrance, la restauration s'opère maintenant au nom de Jésus-Christ. Par la puissance de mon Dieu qui m'a donné des enfants sans trompe, sans matrice. Maintenant, j'ordonne à l'esprit des eaux de sortir. Je demande à l'esprit de Marie de nuit, la nourriture nocturne, de laisser place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les percées professionnelles s'opèrent maintenant dans ce service éternel. Libère les emplois. Libère les emplois. Libère les emplois, mon Dieu. Libère les emplois au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu m'écoutes toujours. Merci parce que tu m'exauces toujours. Merci éternel. Seigneur, tu as dit, je veux que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. Seigneur Jésus, au travers de ces services, viens faire prospérer la vie de tes enfants. Viens faire prospérer la vie de tes enfants. Que l'onction éternelle du travail, d'emploi, du changement, des papiers éternels, des miracles, de vie de prière, puisse les localiser. Que l'onction de la faveur, papa, les localise maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, accélère leur miracle maintenant. Accélère leur changement maintenant. Accélère éternel. Tu m'as dit, Closelle, va, parle-moi, j'agirai. Viens agir éternel. Viens accomplir éternel. Merci parce que je sais que tu le fais. En utilisant éternel, papa, ce service, tu vas nous faire énormément du bien. J'entends déjà des témoignages. J'entends éternel le changement. Le feu du Saint-Esprit de Dieu rentre dedans et paralyse toute langue qui a condamné éternel nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction.
Merci, Éternel, pour la liberté. Au nom de Jésus. Tu vas aller prendre ton eau maintenant. J'avais dit qu'on va faire ce service. On va prendre alors une bassine. Alléluia. Réagissez, réagissez. Aime la vidéo. Aime la vidéo, je t'en prie. Aime la vidéo, please. Aime la vidéo, s'il te plaît. Aime la vidéo, YouTube. Aime la vidéo aussi, s'il te plaît. Amen, amen. Tu vas prendre alors maintenant, je répète encore, parce que la fois passée, lorsque j'ai expliqué le service, il y a plusieurs personnes qui n'ont pas compris, qui m'ont écrit encore inbox. Tu vas prendre alors un récipient, un grand récipient. Ça peut être un seau, ça peut être une cuvette, ça dépend de toi. Tu vas prendre ton eau, tu vas le mettre alors à l'intérieur. I want to remove this one. Un instant, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen, amen. Tu vas prendre le grand récipient, un grand récipient. Lorsque tu vas prendre un grand récipient, tu vas mettre de l'eau à l'intérieur. Tu peux prendre, par exemple, je peux prendre, par exemple, un litre d'eau à l'intérieur ou alors demi-litre d'eau à l'intérieur. Tu vas faire quoi maintenant? Tu vas prendre alors l'aloe vera que tu as pris. Si tu as que l'aloe vera, tu utilises que l'aloe vera. Si tu as les hysopes, gloire à Dieu, tu vas utiliser avec les hysopes. Tu vas les couper alors en petits morceaux. Petits morceaux. Lorsque tu as ouvert les aloe vera, tu vas remarquer que ça va faire un peu comme ça devient comme glumeau. Ça fait comme un liquide. Tu vas alors le couper vraiment en petits morceaux. T'arranger que tu puisses vraiment le couper. Lorsque tu vas le couper, tu vas bien le mélanger. Si c'est seulement l'aloe vera que tu utilises, tu attends alors au moins 30 minutes. Tu vas commencer encore à déclarer, à remercier l'Éternel pour ce que tu veux voir dans ta vie, pour les miracles que tu veux voir dans ta vie. Nous voulons commencer une nouvelle semaine. Nous voulons commencer quelque chose de nouveau. Nous sommes alors dans une prière où nous sommes en train de bâtir les étoiles, les hôtels plutôt, que la main de l'Éternel se lève alors dans ta maison, dans tous les domaines de ta vie. Toi-même, tu connais ta maison mieux que quiconque. Tu connais ce que tu es en train de traverser mieux que quiconque. Que personne ne te trompe. Les plantes, c'est Dieu qui les a créées. Que personne ne te trompe, que personne ne te dise quoi que ce soit, les plantes, c'est Dieu qui les a créées. Alors, tu as le droit de les utiliser et de vivre la gloire et de vivre la grandeur de Dieu. Amen, amen. Tu vas les prendre alors, tu vas commencer à les asperger dans ta maison. Tu vas jeter, comme on dit, de coin à coin, à coin, à coin, parce que c'est un peu comme du mot, donc ça ne va pas être comme l'eau qu'on va asperger. Maintenant, si tu as eu que l'aloès, aloès, non seulement tu vas le prendre en fait tel que ça est là, tel que tu l'as pris en forme de fleur, tu vas faire rentrer dans l'eau, tu vas le bouger dans l'eau, tu vas commencer à déclarer et tu commences alors à l'asperger, à jeter. Vous voyez comme quand le prêtre est en train de jeter de l'eau dans l'église, vous voyez, non? Alors, vous commencez alors à le jeter comme ça dans toute la maison. Tu finis alors, tu vas le garder le lendemain matin. Demain, par exemple, lundi, à ton réveil alors, lorsque tu vas te laver, tu vas utiliser alors ce même truc, tu vas le mettre dans le seau d'eau avec lequel tu vas te laver. Amen. Tu vas prendre l'eau qu'on a priée à part tout à l'heure, tu vas prendre 6 feuilles, tu vas mettre dans la bouteille 6 feuilles de hysope, tu vas mettre dans ta bouteille d'eau que tu vas consommer tout à l'heure. Mais tu dois attendre au moins 30 minutes, 30 à 45 minutes avant de le faire. Amen, amen. Est-ce que je me suis fait comprendre? Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que je me suis fait comprendre? Cristal miracle. Est-ce que je me suis fait comprendre? Réagissez parce que sur mon écran, je ne vois pratiquement rien. Est-ce que je me suis fait comprendre? Amen. Et? Mettez yes. Evelyne, Lucie, sois bénie. Mettez yes, yes, s'il vous plaît. Pour l'aloe vera, j'ai dit, j'ai déjà expliqué pour l'aloe vera. Maintenant, pour le boire. Tu vas maintenant le couper, tu vas mettre dans une bouteille d'eau ou alors, je ne sais pas, dans un bidon d'eau. Lorsque tu vas le couper en petits morceaux, à boire pendant 3 jours.
pour les femmes qui désirent avoir des enfants. Si tu es déjà enceinte, ne bois pas cette eau-là. Je parle aux femmes de foi, elles vont boire cette eau pendant 3 jours successifs. Ça va devenir de plus en plus amer, mais ne vous inquiétez pas, vous allez le boire et l'Éternel va opérer. Tu vas le couper en petits morceaux, en petits dés, en petits dés. Fifi, mon beau, elle sait de quoi déjà je parle. Vous allez le couper, alors vous allez le mettre dans de l'eau. Tu as une maladie qu'on t'a trouvée avec, tu as une douleur qu'on t'a trouvée avec, il y a une situation que tu es en train de marquer que cette maladie est en train de persister, tu vas alors le boire pendant 3 jours successifs. Amen, amen. Reviens avec ton témoignage. Le programme de prière est fini. Amen. Le programme est fini. Je veux remercier l'Éternel. Annie Elimva, j'ai bien expliqué, ma fille. Je pense que j'ai bien expliqué. On a déjà dépassé 1h30, on est pratiquement à 2h. Là, maintenant, le programme commence normalement. On va essayer de respecter encore les heures comme on faisait avant, qu'on puisse me regarder l'heure et tout, afin que nous puissions avancer. Amen, amen. Sur la chaîne YouTube, la famille est en train de grandir. Nous sommes déjà à 30 000 abonnés. Je suis très heureuse pour ça. Alors, si toi, tu es de passage, justement là par hasard, abonne-toi. Aime la vidéo, s'il te plaît. Pour montrer à YouTube que ce que nous sommes en train de faire, c'est une très bonne chose. Nous sommes en train de relever les autels. Je prie personnellement pour toutes les personnes qui élèvent, qui sont en train d'ériger leur autel, qui sont en train de bâtir l'autel pour l'Éternel. Il y a un groupe qui est là pour ça. Si tu vas dans la vidéo précédente, tu pourras alors même voir le lien qui te conduit alors sur WhatsApp, là où la prière se passe. Amen, amen. La prière, alors là où ça se fait, je suis en train de cliquer. Il y a certaines personnes, lorsque vous voyez même déjà qui sont en train de quitter le groupe, je prie personnellement 5 minutes normalement, mais quelquefois je dépasse un peu. Mais c'est 5 minutes normalement de prière, les voices que chaque personne doit recevoir, écouter, réécouter, écouter, réécouter pour la gloire de Dieu. Le programme de plus jeûne et prière est fini. Qui va m'aider à ouvrir mon jeûne et prière? Qui peut m'aider à ouvrir mon jeûne et prière? Qui est disponible à m'aider à ouvrir mon jeûne et prière? Il nous reste 15 minutes et je vais clôturer. Je vais prier pour les personnes qui ont fait déjà leur offrande maintenant. Je vais déclarer. J'ai bien dit et je dis encore que l'offrande n'a rien à voir avec bâtir l'autel. Lorsque tu bâtis ton hôtel, tu bâtis l'hôtel pour ta vie, pour ta famille. Même quand tu ne seras pas là, cet hôtel va crier pour toi. Même quand tu ne seras plus là, la délivrance, j'ai dit, ça passe par une personne. Dieu peut t'utiliser pour que ta famille soit délivrée. Donc, lorsque tu vas faire ton hôtel ou alors l'offrande, tu dois préciser, écris un message. Là où beaucoup de gens me demandent, maman, comment on fait pour le direct envoyer? Tu vois là où tu es en train de commenter, il y a le chiffre S qui est là. Ça peut être à ta gauche ou comme à ta droite. Tu vas voir comme il y a un S qui a fait comme le dollar. Ça fait comme un dollar. C'est là-bas alors qu'il faut cliquer pour alors faire. Ça peut être une offrande, un don, la dîme et tout ce que tu veux en ligne. Et l'Éternel, mon Dieu, te bénira grandement. Nous voulons chuter, mais je vais prier pour les personnes qui viennent de faire alors leur offrande en ligne. Je vais prier pour leur virginat. Je vais déclarer sur toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie que la main de mon Dieu se lève dans ta vie. Je prie que l'Éternel, mon Dieu, parle pour toi. Je prie que l'Éternel, mon Dieu, puisse alors te faire sortir de la situation qui est en train de perdurer jusqu'à aujourd'hui, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète ta délivrance. Je déclare et décrète la sortie, Yandarabo Shakababa. Que tu puisses quitter la honte et que tu rentres alors dans la gloire. Je déclare et décrète que l'Éternel, le Dieu qui essuie les larmes de ta vie, sort dans l'esclavagisme, sort dans les maladies, sort dans les condamnations, sort dans le rejet, sort dans des limitations, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Dieu vivant, le Dieu d'Israël, celui qui répond par le feu, se lève pour toi, te donne tes enfants, te donne ton miracle, ouvre ton ventre, active ton ventre pour te faire entrer dans la gloire. Je déclare et décrète, le temps est arrivé pour toi, pour que tu portes tes closelles. Je déclare et décrète, le temps est arrivé pour toi, pour que tu allaites tes closelles. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que les miracles s'opèrent, laisse que la délivrance s'opère, laisse que la délivrance se lève dans ta vie. Je parle comme étant l'oracle du
Dieu très haut. Là où encore personne n'est arrivé, que Dieu te fasse arriver, que Dieu te fasse passer, l'or virginal, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel, mon Dieu, qui répond par le feu, réponde favorablement à ta prière, à tes requêtes, au nom puissant de Jésus, et que ton cœur puisse te payer. Je déclare et décrète que mon Dieu, il active les spermatozoïdes de ton mari maintenant. Il active les glaires cervicales maintenant. Il répare ton ventre maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu répare ta vie, que mon Dieu répare ton couple, que mon Dieu te fasse rentrer dans ta joie. Et je prophétise la réalisation des prophéties. Les miracles accompagneront ceux qui auront cru. Te localise maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je vais prier pour Mbambous Agnès au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, c'est un Dieu qui répond au nom de Jésus. Je suis en train de voir pendant que je parle une grande tristesse dans ton cœur. Pendant que je suis en train de parler, je vois une grande tristesse dans ton cœur. Laisse que mon Dieu, Yanda Rabo Shakababa, se lève grandement pour toi. Laisse que mon Dieu se lève grandement sur toi. Arrête d'avoir peur. Enlève la tristesse. Et je te dis alors, ce cycle de répétition dans ta vie échoue lamentablement. Le temps est arrivé où Dieu doit te faire entrer dans ton miracle. Je déclare et décrète au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit la mort préparée contre ton ventre, contre ta vie, contre ta joie, reçois le feu maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit. Je suis en train de voir, on vient t'annoncer une nouvelle de mort. Une nouvelle de mort. Nous allons prier que l'Éternel enlève au nom de Jésus. Je déclare et décrète maintenant, l'Éternel doit te faire rentrer dans ta gloire. Je brise tous les liens de la stérilité, de la maladie, du célibat, tous les liens qui te retiennent captifs aujourd'hui. By fire, by force. By fire, by force. Je parle à l'esprit de Marie de nuit de sortir maintenant, de sortir maintenant. Au nom de Jésus, que tout vent satanique réclamant ta joie, soit déraciné à la racine now. By fire, by force, my God. By fire, by force. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète que tu es béni. Je déclare et décrète que tu es béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que les miracles s'opèrent. Laisse que la délivrance s'opère. Au nom de Jésus, rentre dans ton miracle. Rentre dans ton miracle. Que tout rêve, Yandarabo Shakababa, Yandarabo Shendereke Yakababa, qui emmène des problèmes dans ta vie, laisse que le grand médecin, le médecin par excellence, se lève pour toi, pour réparer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je suis en train de parler, il y a une femme qui est là, Yandarabo Shakababa, tu as toujours un problème. Ton problème à toi, tout le temps tu vois des anges, tu vois des gens qui te poursuivent comme si c'était des anges. Tu peux voir parfois même, tu rentres en transe même devant les gens. Écris-moi une verse. Devant moi, je suis en train de voir, il y a un pasteur qui est là. Il y a un homme de Dieu qui est là, Franck. Franck. Tu es en train de tarir. Tu es en train de tarir. Et même ta vie maritale, c'est comme on dit problème sur problème. Laisse que mon Dieu parle pour toi. Laisse que mon Dieu se lève pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Mambo Agnès, je te déclare béni. La faveur et la grâce de mon Dieu soient sur toi. Au nom de Jésus, je brise la puissance des mauvaises nouvelles. Je les fais taire maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce, que la gloire, que les miracles du Dieu très haut s'opèrent dans ta vie à toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que l'Éternel fasse taire maintenant les ennemis de ta vie, les ennemis de ta famille, les ennemis Yandarabo Shakababa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je te déclare béni. Léna, Myriam, je vais prier pour toi. Seigneur mon Dieu, mon roi, tu es le Dieu qui répond par le feu. Ce qu'un homme ne peut pas faire, toi tu es capable de le faire. Ce qu'un homme n'est pas capable de réparer, toi tu es capable de le réparer. Dieu de gloire, Dieu de grâce. Seigneur, je te demande aujourd'hui, viens ouvrir les portes dans la vie de ta fille. Viens ouvrir les portes éternelles dans la vie de ta fille. Viens rendre possible tout ce qui est impossible pour elle, afin qu'elle puisse rire, afin qu'elle puisse te témoigner, afin, papa, qu'elle puisse t'exalter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Permets-la, éternel, de rentrer dans ses opportunités, de posséder ses miracles éternels au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'on réclame dans sa vie, tout ce qu'on réclame éternel, mon Dieu, mon roi, dans sa vie depuis son enfance, soit, papa, annulé aujourd'hui.
vie. J'allume éternel sa vie. J'allume éternel son étoile. J'allume éternel, fais-la rentrer dans la gloire. Merci Saint-Esprit de Dieu. Prépare-toi à une grande célébration. Myriam, prépare-toi à une grande célébration. Laisse que l'éternel, le Dieu des armées, tous les combats que tu as eus dans ta vie, que l'éternel te mette au large. Que l'éternel te mette au large, que l'éternel te fasse asseoir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'éternel te donne du repos. Merci Saint-Esprit, j'entends repos, que mon Dieu te fasse rentrer dans le repos au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la main de mon Dieu crie pour toi, que mon Dieu te fasse rire. Va de surprise agréable en surprise agréable. Va de miracle en miracle. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le ciel te soit favorable. Sois favorisé. Sois favorisé le matin. Sois favorisé à midi. Sois favorisé le soir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je veux prier maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, pour Rose-Marie Petit-Roc, je prie que la main de mon Dieu se lève sur toi. Je prie que la main de mon Dieu se lève sur toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ce programme de 14 jours que nous avons fini parle en ta faveur. Que mon Dieu te console. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu te donne ta joie. Tout ce que tu as perdu, toute opposition que tu as connue dans ta vie, je suis en train de voir une promotion. Je vois une promotion pour toi. Je vois une promotion qui se lève au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêche d'être heureuse à 100%, laisse que mon Dieu le brise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que l'éternel, mon Dieu, libère tout retard que tu as eu en progression, en progression, en progression. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète que toute souffrance, toute maladie qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans ta famille, dans ton couple, je les demande maintenant de libérer. By fire, by force, in the name of Jesus. Je déclare et décrète que tu es béni. Je te déclare béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je demande que la main de mon Dieu te touche maintenant là où tu es. Je demande que la main de mon Dieu affecte ta vie là où tu es. Au nom de Jésus-Christ, tu dois porter des closelles. Tu dois porter tes enfants. Tu dois porter ton miracle. Tu dois rentrer dans la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que l'impossible devienne possible pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Que chaque réclamation échoue lamentablement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Je veux prier maintenant pour Émérence Koufoua. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la main de mon Dieu rentre dans ta vie, rentre dans ton foyer, rentre dans ta maison, rentre yandarabo shakababa, yandarabo shendere keyakababa, korish kanamana shikemene keyakababa, yenderebere shikemene keyakababa, yondoroboro shikeyakababa shikemene, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, yandarabo shakababa, je détruis toujours qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus dans ta famille, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. J'annule toutes les mauvaises paroles. J'annule tous les mauvais décrets au nom puissant de Jésus-Christ. Je plaide le sang de Jésus dans ta vie et je révoque toute forme de tristesse, de pitié, de soi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te déclare béni maintenant. Je te déclare béni maintenant. Je brise tout esprit qui t'empêche d'être heureuse à 100%. Maintenant, j'appelle la joie, j'appelle la faveur, j'appelle les miracles. Père Céleste, merci. Fais rentrer ta grâce dans la vie de ta fille. Merci, fais-la rattraper le temps perdu. Tu es le Dieu qui agit. Que sa vie éternelle reçoive la faveur surnaturelle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle les bénédictions éternelles du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance éternelle puisse inonder sa vie, puisse remplir sa vie éternelle de ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es le Dieu qui répond par le feu. Réponds-la éternelle, console-la éternelle. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais aller rapidement parce que sinon ça va faire 2 heures. Je veux prier, je veux prendre les noms en gros, s'il vous plaît. Ne m'en voulez pas, sachez que Dieu, il est là. Nous sommes déjà presque 2 heures de temps, c'est vraiment trop. On va prendre Cristal Miracle. Je te bénis, ma fille, au nom de Jésus. Je déclare que la main de mon Dieu soit sur toi. Je déclare que la main de mon Dieu soit sur toi. Alors que tu es sorti de la maison de ton père, que l'éternel, mon Dieu, te fasse rire. Rentre dans ta saison, rentre dans ta prophétie, rentre là où l'éternel yandarabo shakababa, koriana mana shindere keyakababa shikemene.
Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, je te déclare béni. Tu seras toujours la tête et jamais la queue. Je te déclare béni. Que l'Éternel t'élève. Que l'Éternel t'élève, Yandarabo Shakababa. Que l'Éternel t'élève seulement dans le pays où tu te trouves. Que l'Éternel opère l'extraordinaire pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, mon Dieu, restaure. Que chaque situation que tu es en train de vivre, qu'il ne confesse pas la Seigneurie de Jésus, que ça soit sous tes pieds. Que Dieu te donne l'autorité sur tes ennemis, sur les adversaires de ta joie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais prier pour Séverine Lombardé. Au nom de Jésus, je te déclare béni, Séverine. Je demande que la main de mon Dieu se lève dans ta vie, que l'Éternel, mon Dieu, parle pour toi. Enlève la tristesse dans ton cœur. Laisse que l'Éternel puisse rebâtir dans ta vie. Laisse que l'Éternel puisse refaire dans ta vie. Relève-toi et crois que Dieu est capable d'opérer, même là où personne ne peut plus alors faire quelque chose. Au nom de Jésus, je te déclare béni. Va de l'avant et réussis dans le nom de Jésus-Christ. Écris-moi une box où tu vas me biper sur WhatsApp. Moi, je vais t'appeler. Ephrasie Kajin, je te bénis au nom de Jésus. Je déclare et décrète que la main de mon Dieu se lève sur ta vie. La main de mon Dieu se lève sur ton nombril. La main de mon Dieu se lève sur ta santé. La main de mon Dieu se lève maintenant au nom de Jésus-Christ. J'appelle l'onction de l'Orient, de l'Occident, que l'onction de l'Éternel, le Dieu qui m'a donné des enfants sans trompe, sans matrice, puisse alors te localiser. Je viens briser toute forme de haine, de rejet, d'amertume contre ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare et décrète que les miracles extraordinaires te localisent maintenant pour changer ton identité, pour changer ton nom. La maman des jumeaux, c'est comme ça que l'Éternel a appelé plusieurs femmes de foi. Alors je déclare et décrète que toi aussi, tu porteras tes enfants au nom de Jésus-Christ. Que tout pouvoir, Yandarabo Shakababa, au nom de Jésus, je déclare sur toi que le Goliath de ta vie doit mourir. Le Goliath de ta vie doit mourir. Le Goliath de ta santé doit mourir. Le Goliath de ta joie doit mourir. Le Goliath Yandarabo Shakababa. Dans les jours restants de cette année, laisse que l'Éternel, mon Dieu, te fasse rire et te donne alors les témoignages, une raison de les témoigner, une raison de l'élever au nom de Jésus. Je vais prier pour Lolia Ey. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que mon Dieu soit avec toi. Laisse que la main de mon Dieu soit avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, laisse que mon Dieu te fasse rire. Que le Dieu qui fait rire te fasse rire. Que le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas comme si ça existait, les fasse exister pour toi. Que tout ce qui était bloqué pour toi, tout ce qui était fermé pour toi, s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'impossible devienne possible pour toi. Que l'irréparable devienne réparable pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je demande que le sang de Jésus nettoie ton étoile, fasse briller ton étoile, fasse briller ton ventre, fasse briller ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, arrêtez en arabo, shakababa. Faveur, grâce, miracle, opportunité. Je te déclare béni le matin, à midi et le soir. Que Dieu des armées fasse l'extraordinaire dans ta vie au nom de Jésus. Là, aucune personne n'est arrivée dans ta famille. L'Éternel t'emmène dessus. Rentre dans ta saison au nom de Jésus. Je vais prier pour Rosine et Yabé. Au nom de Jésus, Rosine, sois bénie le matin, à midi et le soir. Que les portes s'ouvrent pour toi et que l'Éternel te favorise. Au nom de Jésus, cette nouvelle semaine qui est en train de commencer, soit une semaine de opportunité pour toi, soit une semaine de miracles pour toi. Que mon Dieu te localise, que mon Dieu te fasse rire, que mon Dieu essuie les larmes de ta vie. Tout ce qui t'a fait pleurer dans le passé ne te fera plus pleurer à nouveau. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rentre dans ta saison, rentre dans tes miracles. J'appelle les miracles, Yandarabo Shakababa, que l'Éternel ressuscite, Yandarabo Shakababa, tout ce qui était mort dans ta vie, au nom de Jésus. Annie et Lemba, je vais prier pour toi maintenant. Que la main de mon Dieu parle, parle en ta faveur, parle pour ton ventre, parle pour ta vie. Parle pour ta fertilité, parle pour ton avancement, parle pour ta joie, parle pour ta raison au nom de Jésus-Christ. Que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie s'ouvrent maintenant. C'est le temps de faveur, c'est le temps de faveur pour vous, c'est le temps de grâce pour vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, sois bénis le matin, à midi et le soir. Que l'Éternel, mon Dieu, te fasse rentrer dans la gloire, dans la grâce, dans les miracles. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle les bonnes nouvelles pour toi. J'appelle les bonnes nouvelles pour toi. Laisse que les bonnes nouvelles pleuvent maintenant. Laisse que les bonnes nouvelles pleuvent maintenant pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier pour Vincent Boudier.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Vincent, là où tu es, je te déclare béni. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains, merci Saint-Esprit de Dieu. Je bénis tes mains. Que tes mains soient bénies. Que l'Éternel, mon Dieu, répare tes mains. Que l'Éternel, mon Dieu, répare tes mains et te fasse rentrer dans la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que l'Éternel te fasse rentrer dans la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui était fermé puisse s'ouvrir pour toi maintenant. Que tout ce qui était bloqué s'ouvre pour toi maintenant. Je te déclare béni. Vincent, sois béni. Sois béni. Que l'Éternel emmène la joie dans ton cœur. Que l'Éternel emmène la restauration dans ton cœur. Que l'Éternel stabilise ta barque maintenant. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la joie de l'Éternel soit ton partage. Que la restauration du Dieu Très-Haut soit ta force. Je vais prier pour Lornia au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel, mon Dieu, soit avec toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appelle que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que toute forme de chaîne où on avait enchaîné ton miracle puisse être libérée maintenant. J'appelle que le feu du Saint-Esprit de Dieu s'allume pour brûler, calciner Yandarabo Chakababa. Je te vois sortir comme lorsque les enfants d'Israël sortaient. Je te vois sortir. Je te vois sortir dans l'esclavagisme. Je te vois sortir. Je te vois sortir. Sortir dans une certaine souffrance, une certaine répétition de ta vie. Je te vois sortir. Rentre dans ta saison. Rentre dans tes miracles. Rentre dans ta gloire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que mon Dieu te fasse rire. Que mon Dieu te fasse rire. Que mon Dieu te fasse rire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu es là. Seigneur, merci parce que tu es omniprésent, omniscient. Seigneur, merci parce que tu as commencé avec nous, tu achèves avec nous. Seigneur, merci pour ces 14 jours où les témoignages éternels ont plu à un niveau, papa, même moi-même, je ne m'attendais pas. Seigneur, merci. Carmen Fongang, sois béni au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, te bénisse. Que l'Éternel, mon Dieu, te fasse énormément du bien. Je déclare et décrète que tu dois rentrer dans ta saison au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel, mon Dieu, te fasse rire. Que l'Éternel, mon Dieu, te fasse rentrer alors là où tu attends que l'Éternel te fasse rentrer. Tu dois rire. Tu dois rire. Toute chose qui est à toi qu'on a bloquée, aujourd'hui, je déclare et décrète que l'Éternel les libère maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Notre temps nous est imparti. Je veux déclarer, le jeûne est fini. Le jeûne est fini. Je veux déclarer la puissance de mon Dieu. J'ordonne que les portes du chômage soient fermées dans vos vies. Les portes d'emploi doivent s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. J'ordonne aux portes de la stérilité de se fermer maintenant. Et j'appelle les portes de la fécondité de s'ouvrir pour vous maintenant. J'ordonne aux portes du célibat chronique de se fermer par le sang de Jésus-Christ et de Nazareth. Et que les portes du mariage s'ouvrent par le feu du Saint-Esprit de Dieu maintenant. J'ordonne aux portes de la maladie de se fermer maintenant. Et j'ordonne aux portes de la guérison parfaite de s'ouvrir maintenant par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Je parle aux portes des échecs répétés, Yandarabo Shakababa. Que les échecs répétés se ferment maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Et que les portes de la réussite s'ouvrent par le feu du Saint-Esprit de Dieu. Que les portes de condamnation, Yandarabo Shakababa, soient fermées maintenant. Les portes de l'enfantement s'ouvrent. Les portes de l'enfantement s'ouvrent. Je ferme les portes de la pauvreté par le sang de Jésus, et que les portes de la richesse s'ouvrent, au nom de Jésus. Je ferme les portes de la stagnation maintenant, par la puissance du sang de Jésus-Christ, et que les portes du progrès s'ouvrent pour vous, au nom puissant de Jésus-Christ. Je ferme les portes du manque, de la mendicité, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et que par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, que les portes de l'abondance s'ouvrent, au nom de Jésus-Christ. Que les portes de la mort se ferment maintenant par au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les portes de la vie, Andarabo, chaque s'ouvre by fire, by force. Que les portes de condamnation se ferment, les portes de la corruption se ferment, que les portes de la justice s'ouvrent pour vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare et décrète que chaque personne qui entendra même ce message, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit ailleurs, je déclare ta bénédiction. La faveur, les miracles te localisent maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous déclare béni. Je vous aime beaucoup.
Soyez à l'écoute pour d'autres programmes. Suivez-nous sur WhatsApp. C'est là-bas que beaucoup de choses se font. Que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je reçois plus de 1500 appels par jour, plus de 1500 messages par jour. Et avec WhatsApp, les nouveaux messages viennent en haut, les anciens messages vont en bas. Si je ne te réponds pas, je ne le fais pas exprès. Il faut me biper, peut-être à la limite me biper. Je peux voir alors qu'il y a telle personne qui m'a appelé et peut-être alors rappeler. Là, je suis en train de prier pour toutes les personnes qui ont bâti leurs hôtels. Vous voulez faire alors vos offrandes, vos dîmes, vos actions de grâce, les libéralités, soutenir Clozel, ministre de la Voix Triomphante. Il y a alors le email de PayPal qui est là, qui est clozelmama@yahoo.com. Il y a aussi le compte bancaire qui est en train de défiler. Où que tu sois, tu peux faire un dépôt et l'Éternel nous bénira. Que mon Dieu vous bénisse énormément. Écris, tout va bien. 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 Eva Rodi, écrit tout va bien. Pauline Pierre, Lisette Kanda, écrit tout va bien. Gina Ngwari, tout va bien. Jess Queen, Kwaku Léon Yao, Viviane Comlan, Stella Foudou, Zika Nathalie JJ, Gisèle Patricia, Nadège Mion, Lourdane Richard, Francilise Butler, Lucie Sylvie, Rose Ngo, Mariam Doumbia, Cristal Miracle, qui encore, Gabriela Garcia, Ephrasie Kajinga, Sajita Silas, Aminata Jan, ça c'est sur YouTube, Yao Sidoni, Josiane Ngimbi, Kone Moussa, Nadège Damas, Carmela Obone Rose, Njoué Kena Saint-Cyr, Luzi, Virginie, Kena Saint-Cyr. En tout cas, soyez bénis, que tout le monde soit béni. Ça va tellement vite. Rosine Eyabe, Gabriela Garcia, soyez bénis, que tout le monde soit béni. Tout le monde soit béni, tout le monde soit béni, tout le monde soit béni. Nicole Couvoy, soit béni. Raymond Antoine, soit béni. Alléluia. Mbambou Sanis, Agnès, soit béni. Marie Abitini, soit béni. Soyez béni, soyez béni, soyez béni, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Vous avez vu, j'ai beaucoup parlé. Ne vous m'appelez pas, s'il vous plaît. Merci à ma fille Nupcia pour les remèdes, parce que ça a marché. Merci beaucoup. Que mon Dieu te fasse du bien. Je t'aime beaucoup. Que mon Dieu te fasse énormément du bien. Merci beaucoup à Fifi Mobouete. Merci beaucoup à Serge Mobouete. Merci beaucoup à qui encore? À tous les partenaires. Je veux faire un live spécial pour les partenaires à partir de demain. On a maintenant repris notre programme maintenant normalement, mais il y a un live que je veux faire pour les partenaires. Uniquement pour les partenaires. Oui, je vais prier que pour les partenaires de Dieu en ligne. Amen, amen. Je sais que ce mois, vous avez fait vos actions. Vous avez alors donné, mais on n'a pas encore prié. Mais je vais prier pour tous les partenaires. Ne vous inquiétez pas. Que ce soit les partenaires au niveau de l'Afrique, que ce soit les partenaires au niveau de l'Europe. Amen. Je vous aime beaucoup. Je vous aime de tout mon cœur. Que l'Éternel, mon Dieu, vous fasse du bien. Shalom, shalom, shalom. À très bientôt. Bye.